Salut, c'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com/podcastscience et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque, pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aidez à servir la science dans la joie. Merci et bon épisode. Tant que vous avez des dents, croquez des pommes, nous rappelait un spot publicitaire de 2002. Alors pour cette émission, point question de pommes, mais de dents. Certains les ont longues, qui raillent le parquet, quand d'autres en ont une dure ou contre quelqu'un. D'autres encore, et c'est ma préférée pour terminer, ont même les dents qui courent après le beefsteak. Enfin, quelle que soit votre dentition, allez vite vous chercher quelque chose à vous mettre dessous, car l'émission Croquer la science à pleines dents, ça commence maintenant. Dans cet épisode, nous partons dans un voyage au centre de notre bouche en compagnie d'un spécialiste. Nous sommes le mercredi 2 octobre de l'an 2019, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue dans l'émission 385. Et c'est moi, Claire, qui ai le plaisir de servir de maîtresse de cérémonie pour cette émission qui commence comme toujours par le tour de table. On a avec nous Eléa qui animera la discussion de cet épisode et qui accueille notre invité Christian Beller en direct de Strasbourg. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. On a Tup par intermittence depuis Barcelone et on a Pascal, invariablement fidèle au poste, à la technique depuis le sud de l'Alsace. Salut. Et Léa, je te laisse présenter ton invité. Mais tout à fait. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas trop l'occasion de découvrir nulle part, je crois. J'ai rencontré Christian, notre invité de ce soir, il y a quelques années. Ça va faire... presque 10 ans, je crois. Ouais. Je l'avais rencontré en licence de biologie quand moi j'étais encore une petite stagiaire qui allait faire des stages en labo et que lui il commençait déjà son doctorat. Et Christian a un parcours un peu particulier puisque après avoir fait de la science, sa passion c'était les dents et il est devenu dentiste. Alors est-ce que tu peux peut-être nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé à être dentiste et nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie en ce moment? D'accord, j'aime bien comme tu l'as présenté avec un grand sourire de dire « Explique-nous ton accident de parcours ». Non, effectivement, j'ai connu Eléa lors de ma première vie. On va dire que j'en ai eu deux. Est-ce qu'il y en aura plusieurs derrière? Je ne sais pas. Mais effectivement, au début, j'étais chercheur. J'avais un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. Et la dentisterie, c'est quelque chose qui m'avait toujours un petit peu intéressé. Et après 5 ans de recherche, on n'en fait jamais le tour de la recherche fondamentale, bien évidemment. Mais je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'avoir un regret et de me dire, sur mon lit de mort, j'aurais pu faire ça aurait pu être sympa. Et du coup, je me suis lancé dans des études en dentaire. Et puis, maintenant, je suis aussi chirurgien dentiste. Et donc, voilà. Et c'est là que tu m'as demandé, parle-nous des dents. Oui, parle-nous des dents. Ouais. Alors juste, tu as refait toutes les étapes pour devenir dentiste? Non, alors pas toutes les étapes. Alors on part sur le cursus alors? Oui. On commence par le cursus, ok. Alors pour être chirurgien dentiste, il y a plusieurs possibilités. La possibilité la plus classique, qui en plus va être caduque à partir de l'année prochaine, donc voilà. C'est, on commence avec la première année de médecine qui est commune, c'est un concours global qui à l'époque s'appelait la P1, maintenant c'est la PACES pour bref, c'est les études communes pour tout ce qui est études de santé. Et après, à l'issue de cette première année, on choisit une spé, soit médecine générale, soit maintenant, effectivement, il y a kiné, il y a pharma et il y a dentaire. Donc ça, c'est vraiment le cursus classique. Dentaire, ça se fait en 6 ans. Et après, il y a possibilité soit de faire ce que je suis, c'est-à-dire omnipratique, avec des formations à côté, mais ça reste le statut d'omnipratique, ou alors faire un internat, comme en médecine générale, pour pouvoir partir sur 3 spécialités qui vont aussi changer à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de réformes qui sont en train de se mettre en branle en ce moment, donc c'est pas forcément... Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment valable là pour ce soir, c'est pas dit que dans 6 mois, ce soit encore le cas. Et donc, pour revenir à l'autre possibilité, Celle que j'ai empruntée, c'est en fait un concours qu'on appelle de passerelle. C'est-à-dire que si vous avez un master, point, ou un doctorat, point, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas nécessité que ce soit en sciences, on ne va pas se mentir, si on vient avec, avec tout le respect que j'ai pour les théologiens, si on vient avec un master en théologie, il y a des chances que ça ne passe pas. Voilà. Mais officiellement, selon les textes de loi, parce que c'est les textes de loi qui encadrent la chose, on peut se présenter avec un master ou un doctorat pour un concours de passerelle. C'est-à-dire, là, on présente un dossier, lettre de motivation, plus, on vous met sous le grill, vous êtes face à... Ouais, 12-15 personnes, des doyens et tout, du Grand Est en l'occurrence. Ils vous cuisinent et en fonction de vos compétences, votre motivation, ce qu'ils peuvent retirer de vous pour leur fac. Et si vous êtes pris, vous pouvez intégrer directement, donc en deuxième année, c'est-à-dire vous chintez la première année, donc la P1 ou la PASSES maintenant, dont je parlais avant. Donc, chanter, voilà. C'est sauter la première année. Exactement. Voilà. Après, le parcours reste exactement le même. Là, Et donc, même en sautant la première année, ça laisse combien d'années d'études en plus que tu as fait après ton doctorat pour devenir dentiste? 5. Voilà. 6 moins 1, 5. Donc, le compte est bon. Christian, par passion pour les dents, a refait 5 années d'études pour devenir dentiste. Alors, du coup, c'est pour ça que je t'ai invité. C'est, tu es passionné par les dents, littéralement. Ouais, quand passionné, peut-être fortement intéressé, on va dire ça. Passionné, voilà. Quand on se voit en privé, parce qu'on se connaît dans la vie, Christian me parle de dents tout le temps. Tout le temps. Du coup, je l'ai invité pour vous parler de ça. Et du coup, je vais te laisser parler pendant ce dossier. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une dent et qu'est-ce que tu as à en dire? Alors, j'ai plein de choses à en dire. Alors, justement, les dents, c'est pas forcément... On va pas se mentir non plus. Hein. J'ai petit aparté. Il y a beaucoup de patients qui, justement, me posent la même question que toi. C'est genre, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Oh là là, la bouche, c'est quand même particulier. Voilà, c'est histoire de rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a quand même un patient qui m'a dit, à votre place, moi, j'aurais choisi l'autre côté. Parce que, franchement, la bouche, vous avez du courage d'aller là-dedans. Voilà. Alors, c'est-à-dire que la bouche, c'est quand même quelque chose de particulier, dans le sens où c'est quelque chose qui relève quand même de l'intime. Hein. C'est pas, si on a un problème à la bouche, ce n'est pas aussi évident que si on avait une plaie au niveau du coude. Donc, psychologiquement, il y a déjà une barrière. Plus je discute avec des patients, plus je vois que cette barrière, elle est quand même existante. Alors, on se retrouve avec des petites choses un peu blanchâtres, pas forcément blanchâtres d'ailleurs, ça dépend de tout le monde, ça, on en reparlera, des teintes, dans la bouche. Mais comment ça s'articule? Parce que souvent... On dit, j'ai mal à une dent, qu'est-ce qu'il y a autour, pourquoi, comment ça fonctionne et à quoi ça sert, et est-ce que c'est très simple ou est-ce que c'est très complexe? Et c'est pour ça tout de suite, comme si tu peux mettre la première image. Voilà, donc dans la chatroom, on met une image de dent, donc je vais rapidement vous la décrire. Donc une dent, on voit le bout de la dent, celui que vous avez dans la bouche, qui est tout blanc, qui ressemble un peu au sommet émergé d'un iceberg, si vous voyez. Et ensuite la mer, c'est la gencive en dessous, dans laquelle il y a deux espèces de crochets, qu'on appelle la racine, c'est ça? C'est ça, qui n'est pas forcément en crochet, mais oui. Voilà, qui plonge dans la gencive pour fixer la dent dedans, donc je décris l'image pour ceux qui ne l'ont pas en face des yeux. C'est dans l'os, c'est pas la gencive. Et c'est dans l'os, pas dans la gencive, puisqu'on a un os de mâchoire, donc vas-y, je te laisse expliquer. Oui. Alors, la partie visible de l'iceberg, donc c'est la couronne. La couronne, en fait, la dent a plusieurs couches. Et la première couche, qui est relativement fine, ça varie, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, de 1 à 2,5 mm selon les dents. D'abord, c'est de l'émail. Alors, l'émail, c'est la zone la plus minéralisée du corps qui existe. C'est tout simplement le tissu le plus dur qu'on ait dans le corps humain. Voilà, c'est composé à 96% de phase minérale. Donc, imaginez que c'est un gros caillou, on va dire ça comme ça. Avec des cristaux, alors ça va être un peu lourd ce que je vais sortir comme truc, mais ça servira pour après. C'est formé en fait de cristaux qu'on appelle d'hydroxyapatite. En gros, c'est un mélange de calcium et de phosphate. Voilà, en gros, c'est ça. C'est très dense, excessivement peu hydraté. En gros, vous imaginez vraiment un caillou, mais dur comme du béton. Et d'où le fait que, j'embraye tout de suite là-dessus, pourquoi on a la fameuse fraise chez le dentiste, le fameux bruit que tout le monde adore, même les dentistes eux-mêmes, voilà, qui casse les oreilles. C'est tout simplement parce que si on doit traiter une carie, une dent ou faire une chirurgie, il faut qu'on traverse tout simplement des couches qui sont ultra dures. Et vraiment dures, on utilise pour ça des fraises qui sont diamantées. C'est-à-dire qu'il n'y a que des choses qui sont en diamant qui peuvent percer ce genre de choses. histoire de finir pour les mailles, il y a un prof qui nous disait si vous voulez tuer quelqu'un et le faire disparaître complètement, les dents sont tellement résistantes que la seule solution que vous avez, c'est de jeter la personne, en l'occurrence, dans un volcan. Sinon, l'émail est indestructible. Voilà, c'est vous dire un petit peu la chose. C'est pas pour autant qu'il est invincible et qu'il ne s'use pas au fil du temps. Voilà, mais c'est franchement le tissu le plus difficile et le plus résistant qu'on ait dans le corps humain. Donc ça, c'est la première couche. Ensuite, il y a une couche interne qui fait quand même presque les trois quarts de la dent, qui est la dentine, moins minéralisée, donc 70% de phase minérale, avec la particularité qu'en fait, elle est creusée de ce qu'on appelle des canicules dentinaires, qui sont en fait des tubes. Et dans ces tubes, il y a de l'eau, des petits nerfs, des petites ramifications nerveuses, et des prolongements cellulaires de cellules qu'on verra après dans la pulpe, qui s'appellent des odontoblastes. Et en fait, ces canicules, ils servent pour tout ce qui est sensibilité, ils servent aussi à la défense de la dent si elle est agressée, par exemple une lésion carieuse, si on y reviendra après. Et c'est responsable de tout ce qui est hypersensibilité dentinaire, c'est les fameuses pubs, là, mon Dieu, monsieur, je n'arrive plus du tout à manger de glace, je me prends des décharges électriques. Voilà, et ben c'est dû à ça, c'est-à-dire que quand votre dentine est à nu, ce qui peut arriver, déchaussement de la dent, récession gingivale, tout ça, il y a plein de possibilités, et ben tout simplement, vous avez des nerfs à nu. Donc forcément, si on les titille avec des choses extrêmes comme du très chaud ou du très froid, l'exemple concret c'est la glace, eh ben on se prend une décharge. Donc là, il y a des traitements pour. Mais en tout cas, il ne faut pas voir ça comme un seul et même bloc. En termes de solidité, par contre, tout ça, ces deux tissus, imaginez-vous quand même que c'est des cailloux, c'est de la caillasse. Je dis ça exprès, c'est pour expliquer les douleurs dentaires quand on y viendra un petit peu ultérieurement. Ensuite, alors tout ça c'est bien joli, mais pourquoi on a ces deux couches? Eh bien pour protéger l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la pulpe. Alors la pulpe, il y a plein de choses dedans. Alors il y a tout ce qui est vaisseau sanguin, forcément, pour alimenter l'intérieur de la dent, les fameux odontoblastes qui sont en fait tapissés, alors là le problème c'est que comme j'ai pas de pointeur, je peux pas vraiment le montrer, mais qui tapissent tout le tour de la chambre pulpaire, et vous avez des ramifications nerveuses, avec des fibroblastes, des cellules souches et ce genre de choses. C'est quoi un odontoblaste et un fibroblaste? Alors voilà, alors attends, j'y vais justement. Alors, en gros, il y a des cellules qui sont, on va dire, qui sont pas très différenciées, qui peuvent se différencier, se spécialiser et qui deviennent des odontos, c'est-à-dire de dents, blastes, c'est-à-dire cellules jeunes. Elles ont la particularité, en fait, de se plaquer contre la dentine, de balancer des prolongements. Vous voyez ça comme des tentacules, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Des tentacules qui vont dans les canaux dont je parlais avant et, en fait, qui vont tout au long de l'existence de l'individu synthétiser de la dentine en permanence. Organisé, parce que la dentine, c'est quelque chose qui est quand même relativement organisé. Et s'il y a une agression extérieure, du genre une carie, ça va synthétiser de la dentine beaucoup plus rapidement, mais quand on fait les choses rapidement, généralement, on les fait pas très bien. Et en l'occurrence, on va avoir ce qu'on appelle de la dentine tertiaire, qui sera relativement désorganisée. Elle fera le boulot, elle fera le barrage aux bactéries, mais désorganisée. Voilà. Et donc l'odontoblaste, ça sert surtout à ça. Sauf qu'il faut lui donner à manger, et c'est pour ça qu'il y a un réseau vasculaire. Plus le réseau nerveux qui, lui, va nous poser problème à partir du moment où il y a une atteinte et une inflammation. C'est ça qui fait mal. Donc ça, c'est vraiment l'intérieur de la dent. Ensuite, on va sortir de nouveau un petit peu de la dent et cette fois-ci, l'émail, en fait, il recouvre la couronne, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on voit en bouche. Au niveau de la racine, qu'on ne voit pas en bouche, c'est-à-dire qui est plantée, si j'ose dire, dans l'os, il y a une petite couche de protection qu'on appelle le sément, pas le ciment, le sément c'est avec un E, qui est une sorte de, je simplifie à fond, hein, qui sorte de mini émail. Voilà. C'est vraiment pour protéger de nouveau la dentine pour qu'elle soit bien. Et ça, ce sément sert entre autres à installer ce qu'on appelle le ligament. Alors ça a plusieurs noms, je vous les sors comme ça, et après je vous prends l'image. Soit on parle de ligament alvéolo-dentaire, parce que la dent est en fait dans une alvéole, au sein de l'os en fait, c'est une alvéole, c'est un trou d'une certaine manière pour que la dent puisse s'y placer, qu'on parle d'alvéole, donc alvéolo-dentaire, ou de desmodonte, ou de ligament desmodontal. Alors tout ça c'est très joli, en fait tout simplement il faut voir ça comme une petite couche de moins d'1 mm qui sert d'amortisseur. Parce que ça, c'est peut-être le plus important là-dedans, c'est qu'on s'imagine certainement que la dent, en fait, elle est clipsée définitivement, qu'elle est greffée à l'os. C'est faux. En fait, parce que sinon, ce serait impossible en fonction de ce qu'on mange. Tout simplement, on aurait des fractures à répétition. C'est-à-dire autant de la dent que de la mâchoire. Tout simplement, on imagine une voiture sans amortisseur. On se prend un dos d'âne. Voilà. Alors, la voiture va peut-être s'en sortir, les passagers ils vont morfler. Là, c'est à peu près pareil. En gros, on a une petite couche qui sert d'amortisseur tout au long de la racine. Et ça fait la jonction donc, entre la dent et l'os. Et l'os, lui, est recouvert par la gencive, qui est, là aussi je simplifie très beaucoup, c'est un peu comme une peau. C'est une peau. Sauf qu'elle se régénère 2 fois plus vite que la peau que nous avons à la surface du corps, tout simplement. Parce qu'il faut bien se dire qu'en termes d'atteinte continue, c'est-à-dire quand on mange, quand on parle, il y a des frottements qui se font en permanence. Donc des coupures qui ne s'est jamais coupé la langue ou la joue, ou la lèvre, voilà, ce genre de choses, avec, je dis n'importe quoi, des bretzels, des chips ou des choses comme ça. Et on ne traîne pas ce genre de plaies, sauf si elles sont vraiment importante et qu'il y a des problèmes de cicatrisation, mais je veux dire, c'est le genre de choses qu'on ne va pas traîner pendant 6 mois. C'est quelque chose qui cicatrise relativement rapidement. Et ça, c'est grâce au taux de renouvellement des cellules des gencives qui est quand même vachement impressionnant. Et ça, c'est juste pour préciser que la dent, en fait, il ne faut pas la voir forcément comme un organe, on parle d'organe dentaire, comme quelque chose de totalement isolé de son environnement. Au contraire. Ça ne l'évite pas et c'est quelque chose qu'on peut prendre à part. Parce qu'une partie de la dentisterie, c'est ce qu'on appelle la parodontologie. Super, encore un gros terme. Là, je suis en train de noyer tout le monde. En fait, c'est juste paro qu'il faut, qu'il faut retenir, c'est parois. En fait, on s'occupe de tout ce qui est tissu de soutien de la dent. En gros, os, gencives. Parce qu'on peut avoir plein de problèmes au niveau des os et on peut avoir plein de problèmes au niveau des gencives. Et si on a un problème quelque part, ça va faire effet domino de toute façon, quoi qu'il arrive. Et après, si on dézoome encore, ça, on y reviendra peut-être après pour tout ce qui est problèmes posturaux, ce genre de choses. C'est que tout ça, en fait, le message, c'est qu'on parle là de presque de l'infiniment petit, mais il faut voir ça totalement intégré. Dans le sens où il y a la dent, il y a l'os, il y a la gencive, il y a la mâchoire. Et tout ça, après, il faut bien se dire que pour pouvoir mastiquer, vous avez tout un enchaînement de muscles. Ça, on aura une image après, mais ça, pas tout de suite. Un enchaînement de muscles. Et tout est relié. Par la vascularisation, par les nerfs. Donc, il faut bien se dire que, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est ces choses qui ont été vues, décrites et documentées, c'est que toute lésion, où qu'elle soit dans le corps, que ce soit un panari au niveau du pied ou que ce soit une carie au niveau de la dent, c'est quelque chose qui est susceptible, pas forcément qui va, mais qui est susceptible de faire ce qu'on appelle des infections focales, c'est-à-dire passer par la circulation sanguine et infecter d'autres organes. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voilà. Et ça, c'était vraiment le truc d'introduction. Sinon, leur fonction principale des dents, forcément, c'est la mastication. Quoique, comme dit, il y a plusieurs écoles, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein, on en avait parlé une fois. Mais il y a la mastication, il y a la phonation, c'est-à-dire, fendant, vous allez zozoter, c'est normal, c'est prévu pour filtrer l'air, si j'ose dire. Et pour tout ce qui est rapport social, grimace, sourire, séduction. Donc, il y a plusieurs fonctions. Ce sont des tout petites choses, mais qui peuvent avoir un énorme impact sur la santé globale du patient et aussi avoir un impact psychologique, comme je disais avant, sphère de l'intime et tout ça. Voilà. Si tu veux faire une transition. Alors, combien on a de dents exactement, nous, humains, dans notre vie et à quoi elles servent, ces dents? Parce qu'on a toujours appris que certaines dents servaient à écraser, mâcher, etc. Est-ce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans la réalité? En gros, alors justement, tu as les 2 images, on peut mettre soit l'une, soit l'autre. À la rigueur, tu disais... On peut peut-être parler sur celle-ci, sur les... Donc, ouais, je mets une image dans la chatroom qui représente du coup l'ensemble des dents de la mâchoire que vous allez bientôt pouvoir regarder. J'attends, je me lance déjà. Tu peux y aller. Ok. Alors, ouais, la grande question qu'on peut se poser, c'est que, bon, alors déjà, on pouvait se poser la question, pourquoi c'est innervé, tout ça? En gros, pourquoi la nature s'embête à être aussi compliquée alors que bon, pourquoi pas tout intégrer à l'os et puis on a des dents on va dire de 0 ans jusqu'à la fin et on se pose pas de questions. Je dis souvent la nature a horreur du vide mais elle a encore plus horreur de l'inutile. Donc si elle le fait, c'est qu'il y a une raison. Alors, bah voilà, super. Là, on voit bien. Donc, j'ai vu d'ailleurs une question qui parlait pourquoi on parle de dents de lait. Alors, c'est par rapport à leur couleur. Mais ça j'y viens. Donc, on a les dents définitives en tant qu'adulte. Là, on en a théoriquement 8 x 4, 32. Voilà. Avec, je compte là-dedans, la dent de sagesse. Que tout le monde n'a pas, que parfois il faut enlever, mais officiellement, dans la nature, le schéma classique, c'est 8 x 4, 32. Chez les enfants, jusqu'à ce qu'on arrive à la denture définitive, hein, donc ça va changer jusqu'à 12, 13 ans, ce genre de choses. Là, ce sont sur les images que j'ai données, c'est les dates d'éruption. On prend 50 schémas, on a 50 choses différentes, tout simplement parce que c'est vrai, il n'y a pas de consensus. Tout simplement parce que chaque patient est différent. On peut avoir une dent qui va sortir 1 an, voire 2 ans à l'avance, ou 1 an à 2 ans en retard. Il ne faut pas s'alarmer pour autant, il faut le suivre, il faut faire des clichés radio, ça on en viendra pour le suivi. Il y a autant de situations qu'il y a de patients. Mais en gros, chez les enfants, il y a donc les dents de lait, et cette fois-ci, il y en a 5 maximum par cadran, donc on en a 20 en tout. La différence, c'est qu'on a les incisives, on a les canines, on a les prémolaires chez l'adulte, qui sont des petites molaires, on va dire ça comme ça, et les molaires chez l'adulte. L'enfant n'a pas de prémolaires, il a juste 2 molaires de lait. Alors, pourquoi s'embêter avec tout ça? Alors déjà, pour la question « Pourquoi des dents de lait ?», j'ai pas pris d'image parce que je pense que ça aurait été vraiment trop lourd. La physionomie et même la physiologie de la dent temporaire n'est pas la même que la dent définitive. La dent temporaire a un émail, je peux balancer maintenant les termes, donc la première couche qui est excessivement fine. Et c'est un problème parce que justement, chez les enfants, il faut une hygiène bucco-dentaire la plus stricte possible, alors que généralement, c'est bien, les chewing-gums, les bonbons, les machins. Sauf que comme l'émail est très très fin, souvent, il y a une première couche qu'on appelle aprismatique. Je rentre dans le détail. En gros, il est fin et il est plus faible. Il est moins résistant. Voilà. On a l'intégrale, c'est super, c'est magnifique pour avoir des carrés partout. C'est superbe. Et pour compliquer la chose, la pulpe prend énormément de place et donc, par déduction, la dentine est beaucoup plus fine. Donc, la moindre atteinte carieuse chez un enfant peut devenir une catastrophe. Voilà. Et donc, dans le lait, tout simplement, parce que l'émail, il n'a pas totalement, il n'a pas les mêmes propriétés en termes de teinte, et donc c'est très clair. Et donc ça ressemble à du lait. On a dit c'est des dents de lait. Voilà, c'est juste pour ça. Et donc pourquoi on en a si peu étant petit, et pourquoi du coup ça augmente comme ça? Tout simplement parce que la nature s'adapte en fonction de la croissance. C'est-à-dire que si on partait dès le début avec nos 32 dents, ce serait impossible. Parce qu'on aurait une toute petite mâchoire avec des dents qui, proportionnellement, seraient absolument énormes. Parce que les dents de lait sont beaucoup plus petites que les dents définitives. Et pourquoi des molaires et pourquoi pas les prémolaires? Tout simplement parce que sans molaires, point de mastication. C'est ce qu'on appelle, en gros, dans notre jargon, ça fait un calage postérieur. C'est-à-dire ça vous cale la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et c'est elles qui font ce job-là. Les prémoles... les prémolaires, pardon. Les prémolaires, tu me recadres hein, si je sors des trucs comme ça. Les prémoles, ouais, mais c'est comme ça qu'on appelle. On s'en intime avec les dents, hein, il y a des petits noms et tout. Voilà, c'est ça. C'est assez drôle de les avoir, hein, c'est plutôt sympa. En fait, ah oui, non, mais là, il faudrait qu'on nous enregistre, là, vous marriez, là, ça c'est... Rassure-toi, dans tous les domaines. Ah oui, totalement. Et oui, donc les prémoles, j'en étais où avec les prémolaires? Oui, en fait, d'une certaine manière, on peut les considérer comme des bonus. Là, je mets plein de guillemets, mais elles sont utiles quand même. En gros, il y a d'abord la première ligne, c'est les incisives. C'est celles qui sont les plus importantes pour le sourire. C'est pour ça que les patients, dès qu'il y a le moindre accroc sur les incisives, c'est un drame. Ce que je peux comprendre. Hein, moi, j'aurais un drame sur les incisives, je ferais pareil. Celle-là, en fait, elle coupe. Voilà. On peut prendre l'exemple d'une pomme. Voilà, tu coupes. La canine, elle a plus de fonctions que ça. Hein, mais je ne vais pas rentrer. Voilà. Une de ses principales pour la mastication, c'est qu'elle va déchirer. Et elle permet aussi de s'accrocher un petit peu. Et ensuite, il y a tout le bloc qu'on appelle prémolo-molaire. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de prémol et molaire. Voilà, c'est donc les prémolaires et les molaires. Elles vont broyer. on va dire que les prémolaires, elles commencent le job, et c'est vraiment au fond qu'on achève la nourriture, si j'ose dire. En termes de pression, on arrive quand même à... ça varie selon les gens, ça, en fonction de la puissance musculaire. En gros, au niveau des molaires, on arrive à du 80 kg par centimètre carré en pression. Donc, c'est quand même pas mal. 80 kg par centimètre carré. Par centimètre carré. Voilà. C'est pas mal. Voilà, il y a des patients qui peuvent faire plus. Après, il y a des patients qui peuvent faire moins. Mais voilà, dans les études, ils ont tombé là-dessus, ils ont mesuré ça. Et donc, au fur et à mesure que la mâchoire de l'enfant va grandir, eh bien, tout simplement, il y aura plus de place. Et les germes dentaires qui se trouvent sous les dents déciduales ou dents de lait, eh bien, tout simplement, elles vont pousser. Et c'est pour ça que les premières dents vont tomber. Donc, c'est simplement une adaptation au fur et à mesure de la croissance. Et j'anticipe une autre question au cas où, parce que celle-là, je me l'avais posée. Quand la première fois, je me suis dit, bon, c'est bien joli, mais pourquoi individualiser à fond tout ça? Pourquoi pas faire, je sais pas, trois dents de chaque côté, on n'en parle plus? Bah, tout simplement, c'est pour qu'on ait des pièces de rechange. C'est aussi bête que ça. Alors, certes, du temps de Cro-Magnon, c'était un peu différent d'ailleurs, mais il n'y avait pas trop de dentistes. Mais bon, il y en avait une qui cassait, justement. Imaginons, si tout se passait bien pour l'homme préhistorique, imaginons, il fait une connerie, il se pète une dent, la dent s'est cassée de façon nette, et ben, en trifouillant un petit peu, parce qu'il y a encore des patients actuellement qui le font, donc ça prouve que ça peut se faire, qui arrivent à enlever la dent avec leurs doigts. C'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait. D'un autre côté, justement, le fait que la dent ne soit pas fusionnée à l'os, justement grâce au ligament, non seulement ça fait amortisseur, mais en plus ça permet justement de pouvoir l'enlever au cas où. Et ça évite qu'il y ait une infection qui se déclenche, que ça s'étende et ce genre de choses. Donc, voilà, c'est sécurité, ceinture et bretelles, donc adaptation lors de la croissance. Et au cas où on a de la casse, ben, on n'a pas tout cassé. On ne met pas tous les œufs dans le même panier, en fait. C'est ça le principe. Donc voilà. Et tu avais l'autre image éventuellement pour voir un peu le profil des dents. Voilà. Et donc c'est peut-être un petit peu fouillis là le truc. Mais alors là, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être indigeste au possible. C'est juste pour voir là, on voit les différentes racines des différentes dents. Donc il y a ce qu'on appelle les monoradiculés et les pluriradiculés, tout est dit dans le terme, c'est-à-dire mono, il y a une racine, pluriradiculé, il y en a plusieurs. Et en gros, en termes, j'allais dire de design naturel, on part de quelque chose de simple et on va complexifier jusqu'à ce qu'on arrive au big boss de la mastication, donc c'est les molaires à l'arrière. En gros, c'est ça. Donc, les incisives, bah, on le voit, c'est des espèces... Ah oui, je ne peux pas le montrer. Voilà, je peux pas le montrer. En gros, c'est des espèces de pelles à tarte. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez la canine, bah, comme les chiens, qui justement, c'est quelque chose de pointu, avec une racine gigantesque, en règle générale. Là, encore ce matin, j'ai vu un patient avec une couronne et une racine qui était, en termes d'égalité, totalement égale en termes de distance. Ça tient, c'est un peu du miracle, mais il n'a jamais eu de problème. Mais bon, juste pour dire qu'il y a autant de variations qu'il y a de patients. En fait, les canines, non seulement servent à la mastication, elles servent aussi de détecteur. Parce que là aussi, je fais un petit aparté là-dessus, pourquoi innerver une dent? Parce qu'autant la vasculariser, ok, on la nourrit, il n'y a pas de problème, pour les autotomblastes, les défenses, tout ça. Pourquoi s'embêter là aussi à innerver ce truc-là? Je veux dire, c'est super, on a la moindre atteinte, on va grimper au plafond, ça fait mal, c'est débile. Non. En fait, alors ça, j'ai pas. Ça, c'était un prof qui nous avait montré ça. C'est justement, il faut le voir. J'ai peut-être des vidéos sur YouTube, d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Il faut voir la vitesse et la dextérité de n'importe qui en train de manger un morceau de pomme, de carotte, ou alors carrément le truc le plus hardcore, c'est un chewing-gum. Ça va à une vitesse phénoménale. Et en fait, les aliments, on ne s'en rend pas vraiment compte quand on le fait. Les aliments passent du côté droit au côté gauche, mais même pas en une seconde. Et il faut bien se dire que tout est calculé de façon à ce que, bien évidemment, ils sont réorientés non par les dents, mais par la langue. Et certes, parfois, on se mord la langue, mais on est bien d'accord que 99% du temps, on ne se bouffe pas la joue, on ne se bouffe pas la langue. Et pourtant, ça va à une vitesse qui, quand vous voyez la démo, chez quelqu'un on lui dit, vous mâchez juste un morceau de pomme. On se dit, mais comment il fait ça? Et tout ça, c'est grâce à tous ces récepteurs nerveux qu'il y a dans chaque dent. Aussi bien à l'intérieur de la dent qu'au niveau du ligament, qu'au niveau de la langue, qu'au niveau des muscles. Bref, il y a tout ça qui est coordonné. Et c'est pour ça que quand je parlais d'effet domino, si vous enlevez une dent dans tout ça, vous n'aurez peut-être pas des problèmes au début, mais vous en aurez quasiment sûr et certain dans 10, 20, 30 ans. C'est pour ça. Donc le coup du patient qui dit « Non mais écoutez, elle m'emmerde cette dent, enlevez-la moi, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus, vous gagnerez du temps. » Non, c'est la définition de la fausse bonne idée, là. Voilà. Et donc en fait, cette canine, pourquoi elle a une racine aussi longue? C'est tout simplement que, par exemple, pour tout ce qui est déviation de la mandibule, c'est le nom pour la mâchoire inférieure, en gros, pour éviter que la mandibule, qui n'a pas de cerveau, hein, voilà, si on lui dit bah, « Maintenant, tu te décales en biais, on va dire, à gauche », elle peut le faire, non pas à l'infini, parce que les tissus ne sont pas extensibles à l'infini, mais la canine du bas va taper sur la canine du haut et va dire « Hey, on arrête là, on est au maximum de ce qu'on peut faire, on va se fouler un muscle en gros. » Et elle fait « Ah d'accord, c'est bon, bah, je repars en arrière. » Voilà. Ça paraît anodin, mais ça vous fait tout le cycle masticatoire droite-gauche qu'on fait en permanence, rien qu'en mâchant un chewing-gum, quoi. Voilà, ça c'est juste pour illustrer. Et ensuite, on a donc les prémolaires qui, elles, commencent, comme dit, ce sont des bébés molaires. Alors, celles-là, elles sont assez embêtantes à soigner parce que, en gros, on sent que c'est les dents qui se disent « J'aimerais bien être une molaire, mais je suis trop petite pour être une molaire. Et en gros, je fais mon job, mais je suis fragile. » Voilà. Alors, elles sont comme ça. L'évolution, pour l'instant, c'est stabilisée là-dessus. Elle s'est dit, bon, bah, je pense qu'il y a eu des tests hein, et des échecs. Et on s'est dit, bon, bah, là, on a la meilleure configuration. Je reste un peu circonspect. Je pense qu'on peut optimiser la chose, mais c'est pas moi qui décide, en l'occurrence. Et après, on a les molaires. Donc là, c'est les gros bœufs, hein, là, effectivement, avec 3 racines, voire 4, dans certains rares cas, au maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire du haut, ou 2, voire 3. On peut en avoir 4, mais bon, moi je les appelle les monstres. Mais ça existe, à la mandibule. Et après, on arrive sur... Ceux-là, je les appelle les monstres, c'est les dents de sagesse. Parce que en gros, il faut s'imaginer que les dents, elles partent, on va dire... Donc la prémolaire veut devenir une molaire. La perfection absolue de la molaire, c'est la numéro 6. C'est la première qu'en plus on a dans la bouche. C'est la première dent définitive qui apparaît. Donc la plus sujette aux caries, hélas. Mais c'est la molaire la plus parfaite. Elle a la place qu'il faut. On lui a vraiment laissé le champ libre au niveau de l'arcade. Elle est parfaite. C'est la big boss. Ensuite, il y a donc on l'appelle la numéro 6 parce que c'est la numéro 6 par demi-arcade. Ensuite, il y a la 7. Donc ça, c'est, on va dire, l'avant-dernière molaire. Elle fait le job. Elle est là. Mais elle a déjà moins de place. Et... on a déjà les racines qui font pas n'importe quoi, mais qui peuvent éventuellement se fusionner, un peu partir en torsade, bref. Et il y a les dents de sagesse, donc on appelle les 8, parce que c'est les numéros 8. Elles, c'est n'importe quoi. Il n'y a absolument aucun schéma. Il n'y a pas de schéma global, en fait, même quand vous ouvrez des bouquins. C'est un patient, une dent de sagesse, et là, ça peut avoir toutes les formes les plus insensées qu'on puisse imaginer. C'est pour ça que moi je l'appelle les monstres ou les mutants, on appelle ça comme on veut. Et c'est pour ça que généralement quand il y a un problème sur les 8, elles ne permettent pas d'avoir un calage postérieur optimal généralement. Ben, c'est pour ça que généralement on ne se fatigue pas, on les enlève. C'est pour ça que généralement on les enlève et en plus elles peuvent poser des problèmes en fonction de leur position et ce genre de choses. Et là, on a fait le tour. J'espère que j'ai pas tué tout le monde. Non, voilà, il y a eu quelques questions dans la chatroom, donc je pense que les gens sont intéressés. Il y a Denis Lebleu qui dit, donc en fait, le tout, c'est une sorte de rouage. Et donc, si on enlève une pièce, le cerveau ne compense pas pour la mastication, par exemple. Alors, le cerveau va... comment dire, en étant ancien chercheur, rien qu'au niveau cellulaire, c'est complètement fou. Mais au niveau du corps, si, il va y avoir des mécanismes de compensation. On trouve toujours une solution, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. Le corps, il est encore plus fort que nous, il va trouver des solutions. Il va compenser, mais ça aura un prix. Ça aura un prix dans le sens où, justement, j'arrive pas très bien à capter, et ben, c'est les muscles qui vont prendre le relais. Il y aura une image sur les muscles principaux, parce qu'il y en a plein, mais sur les principaux de la mastication, j'ai fait un petit truc. Tout simplement, et ben, ça va fatiguer les muscles. Et si on fatigue les muscles, effet domino. Pour ceux qui sont dans le feng shui, l'acupuncture, tout ça, ils sauront de quoi je parle. Effet domino, si vous demandez un excès d'effort à n'importe quelle structure anatomique, quelle qu'elle soit, ça va être compensé par une autre qui, au bout d'un moment, va tirer la langue. Et elle va faire « Je ne suis pas prévu pour ça, les gars », mais elle va le faire. Mais justement, eh ben, il va y avoir des contractures musculaires, des problèmes au niveau du cou, il va y avoir une répercussion. Je suis incapable de vous dire laquelle. Parce que c'est vraiment un effet, c'est un domino, c'est pas le domino day où on a 5000. Non, là, il y a 5 millions de dominos et chaque patient a ses propres dominos. Mais il y aura une répercussion, quasi sûre. Okay. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui demande si les animaux ont aussi des dents de lait. Et là, c'est bien, deuxième question et je me fais tailler là. Alors, eh ben, j'ai pas la réponse. D'accord. J'ai pas la réponse parce que le problème c'est qu'en plus, attention, nous on a un régime omnivore, donc on peut manger tout, c'est le fameux truc qu'on a tous appris en primaire, au collège, voilà, un régime omnivore. Donc toutes les dents qu'on voit là, elles sont prévues pour ce régime-là, pour nos muscles à nous et le design de la mâchoire qu'on a. Voilà, c'est une mâchoire de quelqu'un qui se tient debout. Hein. Dans le règne animal, il n'y en a pas d'autre. Parce que personne d'autre n'a de pied. Donc voilà, c'est pour ça que je dis tout est imbriqué. Alors le truc, c'est que la question, c'est est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, les vaches ont des dents de lait? Strictement aucune idée. Bah, peut-être que Alexa, tu voilà. Magnifique, et bah super, alors, voilà. Et je quelle transition sur les molaires et les prémolaires et tout ça, et du rôle développement. Donc oui, en fait, il y a plein d'animaux qui ont des dents de lait. Les chauves-souris, par exemple, en ont. Et en fait, les dents de lait, alors c'est marrant parce que du coup, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit sur les dents de lait chez l'homme. Et ça, c'est un truc fascinant parce que c'est vraiment une différence entre les dentistes et les chercheurs. Vous regardez beaucoup la fonction. Et c'est normal puisque c'est le but quand on est dentiste de regarder ça. Mais en fait, les prémolaires, même chez l'homme, les dents de lait, les molaires de lait, en fait, sont des prémolaires. Parce que le germe de la prémolaire de lait, il va donner la prémolaire définitive. Et les molaires, elles se forment derrière et elles ont, on n'a qu'une seule génération. Mais c'est juste une histoire de sémantique, en fait, puisque finalement, la dent de lait, c'est la dent de lait. Et effectivement, la prémolaire de lait, elle occupe la fonction de molaire. Mais en fait, au cours du développement, c'est une prémolaire. Et chez les animaux, donc, les chauves-souris, elles ont des prémolaires de lait qu'elles remplacent. Et d'ailleurs, comme elles ont besoin de s'accrocher au sein de la mère quand elles volent, la prémolaire de lait chez la chauve-souris, elle a une forme complètement différente, c'est un crochet, pour pouvoir s'accrocher au sein de la mère pendant le vol. Et après, elle est remplacée par une autre. Et en fait, il y a plein d'animaux qui ont des prémolaires de lait qui remplacent chez les mammifères pour les mêmes fonctions que chez l'homme. En fait, c'est que la bouche, au départ, elle est trop petite et ensuite, elle grandit. Donc, il faut bien qu'il y ait la place pour le reste. Donc, oui, on a un peu partout, en fait. Nickel. Super. Voilà. C'est cool. Ça prouve vraiment que là, tu parlais des chiroptères en l'occurrence, ouais. Mais ça prouve vraiment que tous les mammifères, on est tous faits selon le même modèle. Il n'y a pas... Exactement. Il y a Gépif qui demande si les tardigrades ont des dents de lait. Je pense que la question, c'est est-ce que les tardigrades... Alors là, c'est bon. Je passe le bébé, là. Est-ce que les tardigrades ont des dents? C'est une question. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'équipe. Non, ok. Est-ce que quelqu'un sait si les... Est-ce que quelqu'un... perdu en route. Ah mince. Est-ce que quelqu'un sait si les dinosaures avaient des dents de lait? Je pense que oui, parce que les serpents, en fait, alors ils n'ont pas des dents de lait, mais il y en a plein qui remplacent leurs dents toute leur vie. Mais en gros, fait pas des dents de lait, ça tourne toute la vie, c'est un peu autre chose. Ça tourne toute la vie. Non, mais en fait, si, c'est la même chose, parce que embryologiquement, c'est la même chose. Nous, on perd juste la capacité de le faire chez les mammifères, en ayant que deux remplacements. Ouais, sauf en cas d'hyperdontie, où justement ça part dans tous les sens, c'est des cas rarissimes, genre que t'as vu. J'aurais pas dit mieux. L'hyperdontie, c'est à partir du moment où tu as une dent surnuméraire. Ça peut être amésiodense, c'est-à-dire une. Ça, c'est le grand classique, c'est-à-dire tu as une incisive centrale maxi. Oui, une incisive de devant de la mâchoire du haut, voilà, supplémentaire, ce qui peut poser problème justement pour tout ce qui est éruption, ça peut te bloquer les dents, c'est super chiant, généralement on l'enlève. Mais c'est ce qu'on appelle, à partir du moment où tu as une dent surnuméraire, on parle d'hyperdontie, mais tu peux avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et tu as des cas rarissimes où tu as des gens, alors ça c'est les pauvres, hein, et ben ils génèrent, justement comme par exemple des reptiles ou des requins, ils génèrent en permanence des dents. Donc, t'imagines pour l'occlusion. L'occlusion, c'est l'emboîtement des deux arcades. Pour l'occlusion, c'est une catastrophe absolue. Parce que là, on se dit, ouais, super, il va pouvoir mâcher ce qu'il veut. Non, au contraire. C'est que là, il y a tellement d'informations et que c'est pas du tout fait pour la structure osseuse qu'on a que justement, c'est une catastrophe. Donc, c'est des gens qui passent leur vie à subir des extractions. C'est rare, hein. C'est rarissime comme cas, mais ça existe. Voilà, c'était juste pour rebondir sur le truc. Donc parfois, les chaos génétiques qu'on peut avoir chez nous, quoi. Et ben, je sais pas si c'est un retour en arrière, j'en sais rien, ça, hein, phylogénétiquement parlant. Mais c'est quand même bizarre, quand on a une anomalie, on retombe sur ce genre de truc qui est très organisé chez des organismes qui sont prévus pour ça. Voilà, juste comme ça. Ouais, moi, ma question, j'ai retrouvé un peu, il y avait un genre de jugement de valeur sur les dents que je trouvais assez amusant. Je trouve ça très drôle de s'attacher aux dents, de donner des personnalités aux dents. On sentait que les prémolaires, tu les trouves assez ratés, en fait. On est d'accord. Ouais, parce qu'il y a un côté... Oui. Oui, parce que ça, c'est le clinicien. Alors, je vais prendre tout simplement pour définir la première prémolaire maxillaire, quoi. Donc, en termes de numéro, c'est la 4. Et c'est 14 ou 24, au cas où si je pars dans les numéros, quoi, là, vous avez déjà des infos. Mais oui, j'ai un prof qui l'a appelé, et c'est magnifique, il nous avait dit en cours, c'est la FFP, pour la fucking first prémolar. Tout est dit là-dedans. C'est une plaie monumentale à soigner parce qu'elle est d'une fragilité monstrueuse. Ben, c'est celle qu'on voit en haut à droite. Alors, je ne peux pas trop la décrire. En gros, il y a deux racines qui sont grêles au possible, ultra fines, à retravailler pour faire un traitement de racines. On ne va pas dire qu'on serre les fesses, hein, faut pas déconner non plus. Mais je veux dire, c'est très délicat. Ensuite, il y a... Ah oui, ça, je n'avais pas expliqué. Plancher pulpaire, plafond pulpaire, mais ça, c'est compliqué. Bref, en gros, si on doit faire une couronne dessus, il faut qu'on puisse s'appuyer sur une structure quelconque. Et là, en l'occurrence, la base de la chambre pulpaire, c'est-à-dire, en gros, la... Ah oui, ça s'appelle la zone de furcation. C'est l'entrejambe, voilà. C'est l'entrejambe. Et vous prenez deux jambes, ce sont les racines. L'entrejambe, c'est le plancher pulpaire. Il faut qu'on s'appuie là-dessus avec soit des matériaux plastiques, ça on en parlera, soit du métal, en fonction du taux de dégradation de la dent. Sauf que le métal, bon, bah, en termes de répartition des forces, c'est pas génial. Et ce sont des dents qui sont donc sujettes à un risque de fracture accru. Donc en fait, le fait que moi je ne les aime pas, c'est juste parce qu'elles sont ultra fragiles. Elles sont longues à traiter pour un résultat qu'on espère optimal, hein, on bosse au mieux à chaque fois, mais qui n'est pas aussi pérenne que sur une canine, quoi. La canine, on y va, il y a un canal central, on ne se pose pas de questions, les parois sont en béton armé, la racine, elle est super résistante. Les autres, non, c'est vraiment plus la galère. J'adore t'entendre parler des dents comme ça. On sent vraiment la haine de la prémolaire. C'est génial. Ça sent bien. À extraire, c'est une galère aussi parce qu'elle peut partir en miettes. Voilà. Et là, j'ai brossé le. Alors, je sais pas si dans le chat, je sais pas, il y a quelqu'un qui est vachement fier de ses prémolaires et qui adore ces dents-là. Je suis désolé, je ferai pas partie du club. non, mais ça, c'est le clinicien qui parle. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, il y avait encore... Oui, vas-y, Robin. Ouais, non, sinon, c'est quand tu décrivais la façon de mâcher là, les fonctions des dents, c'est assez marrant parce que tu dis les canines déchiquettes. Alors, autant couper, je vois bien, broyer, je vois bien, déchiqueter, c'est assez marrant parce que l'impression très subjective que j'ai, c'est quand je mâche, en gros, j'ai un peu l'impression que mes canines ne servent pas à grand-chose et tu as l'air de dire que c'est central. C'est-à-dire, je vois bien les incisives qui coupent, derrière ça broie. Oui. Les canines, oui. Pour moi, c'est un peu celles qui servaient quand on mangeait de la viande crue, mais je vois pas trop maintenant, quoi. Non, alors effectivement, ça va servir à choper ta pomme. Hein. Certes, les incisives, elles le font aussi, mais c'est pas là. Ça dépend. Elles ont encore leur utilité si elles auraient disparu. C'est quand tu vas couper avec tes incisives. En fait, c'est quand elles vont passer au niveau des incisives. Certes, elles ne vont pas faire le boulot des prémolaires et des molaires derrière. Ça va simplement déchirer. Ça va user un petit peu, si j'ose dire, ton morceau de pomme, ton morceau de viande. Vraiment, ça va le dilacérer. Il faut voir ça comme un... Derrière, c'est vraiment des broyeuses. C'est comme un gros marteau, d'une certaine manière, avec un petit peu acéré quand même. Hein. Et tandis que les canines, c'est vraiment les couteaux. C'est vraiment des couteaux. Voilà. Donc, ça se plante. Ça sert aussi... Alors, heureusement, on est dans une société, voilà. Quoique, justement, pour tout ce qui est médecine légale, bah, ça, on peut en parler après. C'est, par exemple, pour tout ce qui est agression-défense. Ah ouais. Une morsure avec la... Ça quand on mangeait de la viande crue, quoi. Oui, mais après, il y en a qui aiment bien encore manger un steak bien bleu et tout. Ben, là, t'es content d'avoir la canine. Voilà, c'est moins quand même. Mais oui, voilà, ça sert moins à agresser son prochain, on est d'accord. Mais ok, donc, voilà. Donc à la crèche, faut bien attendre que les gamins aient des canines avant de leur dire vas-y, mords-le, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, après... jolie notion d'éducation, Robin. J'allais dire, après, pour le recrutement, enfin, pour l'embauche du futur avocat, ça, par contre, ça dépasse mon champ de compétences. Hein. Là, je te laisse t'organiser. Mais ouais. Ok, bah avant de passer à la suite, il y avait encore juste Polo dans la chatroom qui s'inquiétait de savoir si c'était grave qu'il ait une dent de lait dans les molaires et si ça voulait dire qu'il était une forme évoluée d'Homo sapiens. Alors ça, il faudrait... Alors, là, je passe en mode consulte, presque, mais là, il faudrait voir sur une radio. Alors, tout dépend. Non, mais sérieusement. Ce n'est absolument pas grave d'avoir une dent de lait sur arcade. L'arcade, c'est la mâchoire, on parle d'arcade dentaire. Voilà. Donc, quand je parle sur arcade, c'est pas le jeu d'arcade sur une borne d'arcade, on est d'accord. Hein, voilà. Quand je dis sur arcade, c'est-à-dire c'est la dent visible, tu vois la couronne. Voilà. C'est absolument pas un problème. Il y a des gens qui ont des dents de lait. Il faut juste en prendre soin. Comme je disais avant, elles sont plus fragiles. Donc, il faut en prendre soin, il faut les surveiller. Là, deux solutions. Pourquoi elle est restée ? Alors, soit il n'y a pas de germe de la dent définitive dessous, ce qu'on appelle une agénésie. Ça, c'est un... Attention, pas commencer à psychoter. Je mets des guillemets. Ça, c'est un problème génétique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de germe qui s'est développé in utero, donc il n'y en a pas. Donc, comme la dent de lait n'a pas été poussée, si j'ose dire, par la dent définitive, elle est là, elle est bien, elle ne se pose pas de questions, elle est restée. Ou alors... Ça, c'est un autre, je mets entre guillemets, problème. Si ça se trouve, il y a une dent qui s'est développée un petit peu en dessous, sauf qu'elle est bloquée, soit par des concrétions osseuses, soit en fait, elle s'est enclavée. C'est-à-dire, elle s'est bloquée dans la mâchoire et elle n'a jamais pu vraiment évoluer et pousser la dent de lait. Maintenant, s'il n'y a pas de problème, si ça n'empêche pas la mastication et si l'hygiène est bonne à ce niveau-là, pas d'inquiétude à avoir. Il faut juste en prendre soin, il faut la chouchouter, c'est tout. Parce qu'elle est fragile. Et donc voilà, faut voir. Mais c'est possible, par exemple, chez certaines personnes, si on a vraiment des problèmes, ce qu'on appelle dysharmonie dentomaxillaire. En gros, c'est un encombrement. Je vais dire, c'est le bordel. C'est-à-dire, si on n'a pas vraiment le sourire, allez, on va dire ça, alors, c'est que ça parle à tout le monde, le sourire photoshopé Tom Cruise. Alors que Tom Cruise, hein, adolescent, c'était le chantier. Hein. Et si tout le monde a vu la photo, je pense. Où il a... Voilà, parce qu'initialement, il avait pas les dents qu'il a maintenant. Hein. Et il avait des... Ah, c'était le bordel. Ah, c'était le bordel. Ah oui, bah, l'ortho et les bridges, ils ont fait le boulot, hein, pas de problème. Et, bref, ça pour dire, si on n'a pas un encombrement qui bloque la fonction masticatrice, de phonation et ce genre de choses, on touche pas. C'est pas un souci. Sinon, on enlève le problème, on enlève la dent de lait, on enlève le problème. Alors, le problème, il faut voir au niveau osseux. C'est pour ça que je dis que limite, il faudrait une radio pour voir. Et par orthodontie, on peut tracter sur arcade très doucement la dent définitive qui était bloquée en dessous. Mais voilà, sinon, comme dit, l'expression que j'utilise souvent en clinique, c'est s'il n'y a pas de problème, je ne parle pas d'une infection, hein, je veux dire, s'il n'y a pas de problème, mais que c'est, voilà, par exemple, une dent de lait, tout ça, on ne va pas taper dans une fourmilière qui est très bien organisée et qui ne fait de mal à personne. Par contre, si on tape dans la fourmilière, on sait qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc non, c'est absolument pas grave. Bah, très bien. Alors, on ouvrira une section spéciale sur Podcast Science pour les consultations dentaires bientôt. Du coup, je passe un peu à la suite. Oui. Donc, tu as parlé des dents, de combien de dents on avait, de globalement à quoi ça servait. Peut-être que tu peux nous parler un peu de l'environnement dans lequel vivent les dents. Oui, parce que ça va embrayer en fait sur la carie et les idées reçues qu'il peut y avoir dessus. Oui, alors justement, quand je disais, je reprends toujours cette image parce qu'elle est fondamentale, l'effet domino. C'est que, comme dit, la dent, elle est intégrée dans un os, et comme dit, pas fusionnée. Elle est entourée par ce que je disais, le parodonte, donc os plus gencive, mais elle évolue dans un milieu qui est totalement hostile. Il faut s'imaginer que c'est Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux en permanence, déjà dans notre organisme, a fortiori dans notre bouche. Parce que il y a... alors, ça dépend selon les articles. Hein. Mais oui, ça dépend selon les articles. En gros, on va dire, il y a 700 espèces bactériennes dans notre bouche. 300 ont pu être cultivés en laboratoire, donc vraiment on peut les cultiver, et 700 c'était par screening en fait de banque, c'est-à-dire on a trouvé des morceaux de génome, on a fait ah tiens ça on connaît pas, et en gros on a estimé qu'il y en avait 700. Voilà. Il y en a qui disent que 850, allez on se fait plaisir, on balance à 950, j'ai lu un peu en moyenne c'est 700, il y a presque un consensus là-dessus. En gros, mais même, je veux dire on en aurait 500, c'est déjà complètement fou. Il faut bien se dire que les bactéries qu'on a, à la base, c'est pas les nôtres. Parce que quand on sort du ventre de notre mère, hein, la cavité buccale est stérile. Il n'y a rien du tout. Et en fait, on va amasser tout ça. En fait, les 9/10 de ce qu'on a, c'est un mix de la salive de nos parents. Et genre, oh non, mais tiens, prends ton aîné. Oh, le biberon, il est pas chaud. Hop là, super. Donc en fait, toutes les bactoses qu'on a dans... Merci papa, merci maman. Toutes les bactoses qu'on a dans notre bouche, c'est dû à notre environnement généralement familial. Fortiori, quoi. Bon, après, quand on est petit, j'en sais rien, si on lèche un peu par terre, voilà, là aussi, on va se faire une collection. Tout ça pour dire qu'en fait, on s'est fait un peu une chasse aux Pokémon, on en a plein. Et il ne faut pas voir ça dans le sens, on en a des bonnes et des mauvaises. Il faut voir ça comme un équilibre. C'est une guerre de tranchées, une guerre ouverte de tranchées en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a un environnement avec des niches partout. C'est-à-dire vous avez entre les dents, vous avez... Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais c'est peut-être pas si important que ça. En gros, il y a un petit capuchon. Si vous regardez les dents au niveau de la couronne, vous voyez une sorte de petit repli au niveau de ce qu'on appelle le feston gingival, un petit repli de gencive, et ça fait une sorte de couloir le long de la couronne. Limite, ne le faites pas, ça peut, vous pouvez vous blesser. Mais limite, avec l'ongle, on peut passer un petit peu entre la dent et la gencive, légèrement. Et ça, en fait, c'est pas une anomalie, ça, c'est une sorte de tranchée qu'il y a tout autour, de protection qu'on appelle le sulcus. Voilà. Et rien que cette poche-là, c'est pour illustrer que c'est super, il y a une niche toute prête, on peut se mettre dedans, on est tranquille, on peut proliférer, c'est génial. On peut se mettre sur les dents, sur les joues, donc sur la muqueuse buccale, sur la gencive, il y a une petite nuance en termes d'épithélium, mais je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Bref, le dos de la langue, le plancher buccal, le palais, tout ça, ce sont des maisons potentielles pour les 700 bactéries dont je parlais. Et comme dit, c'est une guerre de tranchées. Le tout, c'est d'avoir un équilibre entre celles qui sont... Je mets plein de... C'est très manichéen ce que je veux dire, hein, mais entre guillemets, celles qui sont potentiellement bénéfiques et celles qui sont potentiellement délétères et potentiellement cariogènes. Donc, quand il y a une carie qui s'installe, ou quand il y a un problème en bouche, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il faut prendre cette image, c'est pas très scientifique ce que je vais sortir, mais les fameuses pubs qu'on voit sur les yaourts, oui, je me sens mal, là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai comme déséquilibre intestinal, oh là là, mon Dieu, si je prenais des bifidus, ça irait mieux. Voilà. Dans les pubs, ils nous sortent ce truc-là, ces équilibres machin. Alors c'est bien, ils ont pris juste ce mot-là, puis ils le balancent dans les pubs, c'est super sympa. Mais ça a une existence réelle, en fait. C'est une balance. Et à partir du moment où ça va dans un sens ou dans l'autre, et qu'on n'est pas pile poil équilibré, on peut avoir des problèmes. C'est-à-dire, on peut avoir des problèmes de gencives, les fameuses gingivites, voilà, les gencives qui saignent, du genre, ah, je me brosse les dents, je saigne des gencives, mon Dieu, c'est une catastrophe. Voilà. Des poches parodontales qui peuvent se former, ça, c'est-à-dire qu'en gros, les bactéries vont réussir à s'installer dans cette espèce de tranchée dont je parlais, le sulcus, et vont passer le long de la racine. Elles ne vont pas forcément faire une carie. Mais elles vont réussir à se tasser et à faire leur lotissement là en bas et elles sont très bien. Sauf que ça va faire des inflammations chroniques et ça peut arriver jusque dans des stades extrêmes où il y a l'os qui est lui-même inflammé et qui va disparaître au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que les dents peuvent se déchausser, ce genre de choses. Voilà. Donc en gros, on se retrouve avec 700 bactéries qui se battent en permanence pour gagner leur territoire. Voilà. Alors, notre corps, il n'est pas complètement stupide, il a réussi à créer cette balance avec différents moyens. Bon, bien sûr, le système immunitaire, mais quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui est salive. Ça a plein de fonctions, la salive. Ça sert à tout simplement ramollir les aliments, à les digérer un petit peu déjà, puisqu'on a par exemple des enzymes comme l'amylase qui sont dedans. Voilà. Ça commence le boulot, on va dire. Pour tout ce qui est phonation, parce que là, par exemple, en parlant, j'ai un peu la gorge sèche, je ne le cache pas. Mais oui, je sais, il est là-bas, le verre, il est un peu loin. Mais voilà, heureusement qu'il y a de la salive, parce que sinon, impossible. Ça a une fonction de lubrification et de protection. Parce que, par exemple, comment on va s'organiser, en fait, les bactéries? Parce qu'il ne faut pas voir les bactéries comme 700 bactéries, on va dire ça, l'image c'est ça, chacune dans son coin à faire sa petite tambouille. Non, pas du tout. Ça s'organise dans ce qu'on appelle un biofilm. Alors c'est super technique, là, ça, on a l'impression que c'est un truc de science-fiction, mais un biofilm, en fait, c'est la fameuse plaque dentaire. C'est-à-dire le truc blanchâtre. Donc, en gros, on imagine ça, on a ce qu'on appelle d'abord des bactéries pionnières. Pour ceux qui connaissent le truc, ce sont des bactéries qui sont anaérobies facultatives. C'est-à-dire qu'en gros, l'oxygène de base, hein, nous on a réussi à domestiquer ce truc, mais l'oxygène en gros, en grande concentration ou en faible sur les organismes, c'est quelque chose de toxique. Et il y a des bactéries qui ne supportent pas ça. Pas du tout. Et les anaérobies facultatives, en gros, elles tolèrent un petit peu tous les environnements. Voilà. Donc, il y a une certaine catégorie, là, dans les 700, il y en a certaines qui sont capables de faire ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se coller préférentiellement à certains endroits. Elles vont se fixer aléatoirement, plouf, par exemple, à la surface de la dent. Elles vont commencer à synthétiser une sorte de matrice, une sorte de gel, voilà, des exopolysaccharides, ce qui va former une matrice extracellulaire, et tout ça, cette espèce de charpente, et dedans, il y aura les bactéries, c'est ça le biofilm, c'est ça la plaque dentaire. Et là, pour l'instant, les bactéries pionnières, on va dire, bon, elles sont là, elles ne font pas grand-chose. Ensuite vient, là je balance juste le terme de la bestiole parce qu'il me fait délirer, mais voilà, arrive la clé de voûte. Il y a une bactérie qui est dans les 700 qui s'appelle Fusobacterium nucleatum, et celle-là, c'est une bactérie anaérobie stricte, c'est-à-dire elle déteste tout ce qui est oxygène, quoi, en gros. Donc, c'est-à-dire qu'elle va fuir, d'une certaine manière, l'oxygène. Alors, l'oxygène, bah, ça rentre, ça sort dans la bouche. C'est pas terrible, elle n'est pas à l'aise, là, clairement pas. Donc, elle se cache, en gros. À partir du moment où le biofilm est suffisamment développé, elle arrive, elle fait hey, « c'est super les copines, vous m'avez fait déjà une partie de l'échafaudage, moi j'arrive. » Elle résiste un petit peu mieux à l'oxygène que les autres. Et à ce moment-là, elle va battre le rappel des autres, qui, elles, sont vraiment anaérobies strictes, hein, c'est d'ailleurs pas d'air du tout. Hein. Et celles-là, ce sont les dernières qui sont potentiellement cariogènes. Et donc, en gros, il faut voir la plaque dentaire non pas comme une sorte de colle avec un type de bactérie dedans, non, il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines de bactéries qui s'organisent et qui s'entraident. C'est ça que c'est bien foutu. Enfin, mal foutu pour nous, mais bien foutu pour elles. C'est-à-dire que chaque bactérie va apporter sa pierre à l'édifice, booster les autres, communiquer, et c'est le truc qu'on peut entendre même dans les trucs justement de science-fiction, c'est à la mode, là, le quorum sensing, là, ça, c'est le genre de, voilà, là, c'est le genre de truc, et ben c'est ce qu'elles font. En gros, elles communiquent comme nous, comme des, voilà, comme si maintenant, je sais pas, on doit réparer, je sais pas, les pièces d'une maison, il y en a un qui va prendre le rouleau, l'autre qui va dire ah bah t'as raté une finition de ce côté-là, bref, c'est un travail d'équipe. Donc on se retrouve face à des armées qui sont quand même vachement organisées. C'est pas le touriste du coin qui vient, je me suis perdu, excusez-moi, boum, et il se fait rétamer la face directement. Non. Elles savent s'organiser, elles savent optimiser leur prolifération, elles savent se défendre parce que leur matrice, en fait, justement, les protège de leur environnement. Alors, comment dégager ces saletés? Ça, justement, c'est l'objectif de la salive, entre autres. Et dans la salive, il y a un petit peu tout. Il y a des enzymes qui sont capables d'attaquer les bactéries. Il y a des ions. Justement, tout au début, j'avais parlé de cristaux d'hydroxyapatite, le truc absolument horrible là, avec du phosphate et du calcium. Eh bien, il y en a dans la salive, parce qu'on peut régénérer les dents, toute proportion gardée, mais elles se régénèrent en permanence grâce à ça. Et ça maintient un pH aussi, la salive. pH 7, on est bien. Ça varie hein, selon les individus d'entre 6 et 8, mais on va parler 7. Voilà. Donc, en gros, le corps, lui, c'est un peu le juge de paix. Il fait ok, c'est bon, vous pouvez vous mettre sur la figure, là, les bactéries. Je vous laisse vous amuser un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et c'est ça le fameux équilibre. C'est en gros, c'est Minas Tirith du Seigneur des Anneaux, mais c'est organisé. Il y a quand même un arbitre au milieu et ça, c'est le corps. C'est à partir du moment où c'est déséquilibré que là arrivent toutes les pathologies. Inflammation, kyste, ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, pour se défendre. Oui, il y a aussi dans la salive, il y a ce qu'on appelle des mucines, ce sont des protéines. Et pour vous dire que comme quoi, hein, ça c'est une guerre de tranchées, mais avec que des stratèges, c'est que les mucines, en fait, elles vont se coller à la surface des dents. Initialement, c'est pour les protéger et pour empêcher que les bactéries aient des prises. Sauf que les bactéries, elles sont pas connes. Et maintenant, en fait, certaines bactéries, ah ben, tout d'un coup, elles ont appris à se coller aux mucines. Et donc, c'est une guerre de tranchées, de stratégies, genre, je vais développer ce truc-là, tu n'arriveras pas à l'utiliser. 2 générations plus tard, ben, c'est bon, j'ai réussi à contourner ton truc. Ah bah, je vais encore m'adapter, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, nous, on intervient en tant que cliniciens, c'est à partir du moment où ben, le corps n'arrive plus à faire face, quoi. J'allais dire tout simplement. Et du coup, est-ce que c'est à cause de ces bactéries qu'on a du tartre dans la bouche? Ouais, alors, en fait, le tartre, c'est de la plaque dentaire minéralisée. fossilisé. On va dire ça comme ça. Alors là, c'est... Comment dire? C'est à la fois... En gros, c'est le corps qui arrive à se défendre, mais si on a vraiment zéro hygiène, ce que fait le corps peut devenir délétère. Je m'explique. En gros, le biofilm, c'est quelque chose donc de vivant, pas la matrice. Hein. La matrice, ce sont juste des protéines, elles ne vivent pas. Mais les bactéries, elles, font leur quorum sensing, elles discutent entre elles, elles optimisent, plan d'attaque, tout ça. Comme je disais, dans la salive, il y a des minéraux. Il y a du phosphate, du calcium et un petit peu de fluor. Petit aparté, d'où il vient ce fluor? Voilà, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas que dans les dentifrices. Non, le fluor, c'est ubiquitaire, c'est c'est partout. Enfin, dans tout ce qui est vivant, en tout cas. Et c'est l'état de trace dans tout ce qu'on mange. Donc voilà, le coup du « je ne veux pas de fluor de mon organisme » raté. Alors déjà, c'est utile. Si on n'en a pas, on est mal barré. Et de toute façon, on ne peut pas l'éviter parce que c'est partout. Mais il est là pour une raison. Bref, ça, ce sont donc des agents qui sont capables de minéraliser le biofilm. En gros, la matrice, pas les bactéries, mais la matrice va être solidifiée et en gros, les bactéries vont être prises au piège. Et en gros, c'est comme si nous, on nous enferme dans un gros morceau de caillou. C'est-à-dire, on ne peut plus bouger et elles ne peuvent plus communiquer entre elles. Donc là, c'est bien, on se dit super, on les a court-circuitées, c'est génial. Sauf qu'on a quand même créé un morceau de caillou dans la bouche. Alors, si c'est des petits morceaux, ça va. C'est l'hygiène et ça va. Le problème, c'est à partir du moment où ça s'accumule. Et là, le problème ne va pas tant être les dents, parce qu'il faut bien se dire que le tartre en lui-même, hein, juste le tartre tout seul, c'est génial, on a court-circuité les bactéries, ce n'est pas cariogène. Si je prends juste le tartre, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un caillou, donc ce n'est pas quelque chose de lisse. C'est-à-dire que les dépôts alimentaires vont se coller. Si ce n'est pas lisse, c'est du pain béni pour les autres bactéries qui arrivent. Les bactéries pionnières vont se mettre là, elles vont faire « Eh, mais c'est génial, punaise !» Je peux refaire mon échafaudage et j'ai encore plus de... Parce que là, il n'y a pas de mucine ou quoi que ce soit. Alors là, c'est vraiment... C'est super, c'est clé en main. Donc, on a du biofilm qui va se refaire minéraliser et ainsi de suite. Et à la fin, on se retrouve avec des blocs de calcaire absolument énormes dans la bouche. Et là où il y a le problème, c'est que là où ça va se placer, c'est... Tout d'un coup, ça va déborder au niveau de la gencive. La gencive va se faire compresser. Et les bactéries trouvent toujours un chemin. C'est 10 microns de diamètre, même des plus petites que ça. Elles arrivent à passer, il n'y a pas de problème. Donc, elles vont repasser entre la gencive qui est compressée par du tartre qui ne devrait pas être là, et le tartre. Et elles vont se faire leur petit nid là-dessous. Et du coup, gingivite, saignement, chanteuse, voilà, ça peut aller jusqu'à des desquamations anormales. Donc, le tartre, c'est bien, on va dire, pour la première phase d'attaque, ou on va dire, pour contenir la première vague de l'assaut. Après, le problème, c'est que s'il y en a trop, ça devient délétère. C'est-à-dire que la stratégie se retourne contre nous, mais d'un autre côté, c'est pas prévu non plus pour avoir 15 kilos de tartre. Et j'en profite aussi parce que c'est la question qu'on peut se poser. Là où le tartre va se former le plus facilement, c'est à l'arrière des incisives de la mâchoire du bas, donc de la mandibule. C'est normal, c'est chez chaque être humain. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement que si vous... Alors, sauf pour ceux qui ont des problèmes de sécrétion salivaire, hein, mais en règle générale, où vous aurez plus de salive, ben, tout simplement là où elle va pouvoir être stockée. C'est-à-dire au niveau du plancher buccal, là où vous avez en plus des canaux excréteurs, des... je balance le terme, comme ça c'est fait, de 4 glandes salivaires principales, que sont les 2 glandes salivaires submandibulaires et sublinguales. Donc ça vous fait un îlot, ça vous fait un lac de salive, et donc forcément s'il y a du biofilm qui se met là derrière, ben, il va se faire minéraliser d'autant plus. Donc c'est généralement là où il faut qu'on détartre à fond, parce que c'est là où on peut avoir... On tape tartre sur Google, oui, bon, tartre sur Google, c'est les premières images que tu vois, c'est des trucs... au niveau du plancher buccal. Ça peut aller dans des cas complètement extrêmes, hein, hardcore, hein, c'est-à-dire zéro hygiène, rien du tout, jamais chez le dentiste que dalle. Ça peut aller jusqu'à abîmer le plancher buccal avec des perfs et ce genre de choses. Voilà. Alors du coup, une fois que ces bactéries sont arrivées, là, qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors, ça tourne mal. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors, justement, là, on va arriver... Bon, déjà, là, le fait qu'il y ait du tartre, c'est un des problèmes qu'il peut y avoir. Le truc, ah oui, pour finir totalement sur le tartre, il y a des gens qui font plus de, je mets des guillemets, qui font plus de tartre que d'autres. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'il peut y avoir une hygiène qui est moindre. Si on a plus de biofilm, on a plus statistiquement de chances de développer du tartre. Mais il y a la composition salivaire aussi qui joue. Parce que tout le monde n'a pas la même composition dans la salive. C'est-à-dire, en gros, c'est 99% de flotte, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y en aura qui feront plus de mucilles, il y en a qui feront plus de lysozymes. C'est produit par les glandes salivaires qui sont différentes d'un individu à l'autre. Et il y en a où ce sera plus chargé, justement, en calcium et en phosphate. Donc, ça se minéralisera plus vite, donc ça fait plus vite du tartre. J'ai fini avec le tartre, voilà, et la salive. Sinon, pour, justement, qu'est-ce qui tourne mal? La fameuse carie. Voilà. Alors, comment ça se forme, ce truc? Alors, l'image qu'on peut avoir, il était une fois la vie, tout ça, c'est que les bactéries, si elles sont dans la bouche, c'est qu'elles s'y sentent bien. D'accord, hein, elles ne sont pas là. Voilà. C'est tout simplement parce qu'elles ont à bouffer. Et ça tombe bien, elles sont à l'endroit où nous-mêmes on bouffe. Donc, les nutriments, on les apporte. Donc, ça dépend, chaque type de bactérie a, on va dire, son menu de prédilection. On ne va pas rentrer dans les détails là non plus. Le coup classique, c'est quand même tout ce qui est ose, glucides, hein, les sucres. Voilà. Ça, c'est... On tape dans une valeur sûre en termes de métabolisme bactérien, on est bien. Le truc, c'est que pourquoi une carie? Pourquoi ça fait un trou dans la dent? En fait, la bactérie ne va pas faire comme dans l'été une fois la vie, c'est-à-dire creuser sciemment. Elle ne va pas réfléchir à la bactérie. Hein. Quoique, on pourrait être surpris un jour. Mais elle ne va pas réfléchir en se disant « Tiens, je suis sur cette dent et je vais la creuser. » Elle s'en fiche de ça. En fait, qu'est-ce qui fait le trou? Alors, ça ne va pas être poétique du tout. Hein. En gros, ce sont ses rejets métaboliques. En gros, c'est son caca. C'est-à-dire, elle mange, elle chie, et c'est le caca de la bactérie qui, lui, est acide. Et le problème de notre émail, alors d'accord, c'est le tissu le plus minéralisé du corps, mais il a un défaut. C'est que ces fameux cristaux d'hydroxyapatite dont je vous rabats les oreilles depuis les 5 premières minutes, en fait, c'est très sensible à tout ce qui est acide. C'est pour ça que la salive se bat pour avoir un pH neutre. À partir du moment où on a un déséquilibre au niveau du pH, eh ben, ces cristaux, ils fondent. Et plus c'est acide, plus ça fond. Et c'est comme ça que se forme la carie. En fait, la carie, il faut voir ça comme étant une cause secondaire de l'installation de la bactérie. Alors, la bactérie, elle est très contente. Elle va se créer sa propre cavité, elle va continuer de se faire plus de place. Elle va pas dire non. Mais initialement, ce n'était pas ça l'objectif. C'est juste que ça tombait bien. On avait le métabolisme qui était bon, qui était adapté à ce milieu. Le problème de la carie, c'est que ça va faire fondre l'émail. Or, après, qu'est-ce qu'on a en deuxième couche? On a la dentine. Et qu'est-ce qu'il y a dans la dentine? On a les fameux tentacules des odontoblastes et on a des fameux filets nerveux qui commencent à arriver. Et c'est là que ça commence à devenir douloureux. Ensuite, on arrive dans la pulpe. Alors là, on est dans le vif du sujet. On tombe dans des vaisseaux sanguins et dans des nerfs. Alors, pourquoi? Attends, juste dans le plan pour éviter ce qu'on avait prévu. Est-ce que je pars directement de ça? Oui, des minéralisations. Oui, on peut partir directement pour les douleurs. Parce qu'il y a différents types de douleurs liées à des dents. Vous discutez avec vos proches ou... voilà, moi, je suis en cabinet. On a de tout. On a de la sensibilité dentinaire, du genre, oui, quand un petit peu de froid, ça me gêne un petit peu. On a le quand je prends du froid, du chaud ou du sucre. Je me prends vraiment une décharge, mais vraiment quelque chose de bien, limite j'ai les larmes aux yeux, et ça s'arrête après. Et ensuite, on arrive dans la fameuse, qu'on appelle rage de dents. Là, on en a 3 catégories en fait, de rage de dents, même si le traitement est à peu près pareil, mais ça va. Je vais juste donner les titres, mais c'est pour montrer le chemin des bactéries. Donc en gros, la première chose qu'on a, le fameux si je suis sensible au chaud, au froid, ça fait mal, je me prends une décharge, mais ça s'arrête tout de suite après la stimulation, c'est ce qu'on appelle une pulpite réversible. Quand il y a it derrière, ça veut dire inflammation. Gingivite, inflammation de la gencive. Pulpite, inflammation de la pulpe. Voilà. Réversible tout simplement parce que si on arrive à enlever le tissu carieux et à combler le trou bien évidemment, normalement c'est bon derrière. Il n'y a pas de complications. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus des contractions des matériaux, tout ça, mais on est bien, la pulpe, elle va se calmer, elle va dire « Ok, c'est bon, on a réussi, attaque endiguée, si j'ose dire ». Le problème, c'est que si on arrive trop loin, trop proche de la pulpe, on arrive sur ce qu'on appelle une pulpite irréversible. C'est-à-dire que là, la pulpe est en panique totale. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus du tout à gérer, c'est la panique à tous les étages, on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est la panique. En gros, on n'arrivera plus jamais à apaiser la pulpe. Pourquoi une pulpite irréversible? Après, il y a la pulpodesmodentite et la parodontite apicale aiguë, ça c'est en fait le chemin. C'est-à-dire que, en gros, les bactéries, elles vont Elles s'en fichent de votre douleur. Elles vont continuer leur chemin. Tant qu'elles peuvent s'installer, elles continuent. Personne ne les dérange, il n'y a pas de souci. Elles se bagarrent un petit peu quand même avec le système immunitaire, mais tant que ça passe, ça passe. En gros, elles vont tout simplement arriver dans la chambre pulpaire, puis elles vont passer dans les racines. Elles continuent, hein. Et elles vont arriver à l'extrémité de la racine où on peut avoir vraiment le dernier stade, c'est-à-dire l'abcès purulent collecté. Ça, c'est le top du top. Arrivant jusqu'au dernier degré, ce qu'on appelle des cellulites. Alors, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir, hein, comme ça, ce qui est plus disgracieux. Cellulite, c'est tout simplement inflammation de la cellule. C'est un terme très générique, très général, pour dire, en gros, une inflammation localisée, par exemple, on va dire cellulite génienne basse, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une inflammation au niveau de la mandibule qui tend vers le cou. Ça peut aller jusqu'à une hospitalisation avec risque mortel, hein, c'est-à-dire asphyxie de la personne et tout ça. J'en ai vu une fois hein, à l'hôpital. C'est chaud, c'est très chaud. Là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Là, c'est vraiment hardcore. Tout ça pour dire que les bactéries, elles suivent le chemin qu'on leur a tracé. Elles traversent tout ça. Et c'est là qu'en plus, on a un degré de complexité supplémentaire au niveau des bactéries. Les études ont montré que, je vous disais, c'est un travail d'équipe avec le biofilm et tout ça. Avec toutes les étapes que je vous ai énoncées, le biofilm change. C'est-à-dire que... On peut dire, il y a Jean-Claude, il y a Gérard, il y a Raoul, hein, on va dire ça comme ça. En gros, par exemple, on est au niveau coronaire, Jean-Claude, il se sent super bien. Parfait. Et ben, il dit, continuez sans moi, les gars, pas de problème, moi, je suis bien là où je suis. Et c'est un autre qui va prendre le relais, qui va avoir un peu plus d'influence dans le biofilm, ainsi de suite. Donc, on a des populations bactériennes qui changent d'un secteur à l'autre. Alors, ça ne change pas la prise en charge globale, hein, on est d'accord. Hein. Le but, c'est toujours soit de les déquiller manuellement, c'est-à-dire d'enlever le tissu inflammé, et ou de les traiter par antibiothérapie. On va pas se mentir, l'antibiotique tout seul ne guérit pas. Il faut qu'on enlève le tissu carieux et donc la population bactérienne qu'il y a. Ça peut aller jusqu'au traitement de racine, c'est-à-dire jusqu'à la dévitalisation de la dent. Et justement, la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est tellement douloureux ce truc? Parce que le nombre de patientes qui m'ont sorti ça, alors je veux bien les croire, hein. Pour moi, je suis un mec, donc je ne connaîtrai jamais cette douleur, et de ce côté-là, je suis assez content. Pour moi, dans mon esprit, il y a l'accouchement sans anesthésie, c'est le top ultime de la douleur. Voilà. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est dans le top 3, hein, on va dire, on va pas se mentir. Et j'ai eu beaucoup de patientes qui m'ont dit, j'ai accouché sans péridurale, tout ça, je voulais que ce soit de façon naturelle, j'ai cette rage de dents-là, c'est une douleur qui est 10 fois pire. Alors, je veux bien les croire, pas de problème. Donc, c'est absolument insupportable, je pense. J'en ai jamais eu, mais certains patients sont vraiment en détresse. Alors, pourquoi ça fait tellement mal? Ça, on peut se poser la question. Eh bien, tout simplement, si on prend comme image, voilà, vous vous cognez, vous vous blessez au niveau de l'avant-bras. Voilà. Ben, vous allez avoir un bleu, ça va gonfler, et quand vous allez le toucher, ça va être douloureux. Voilà, les signes cardinaux hein, de l'inflammation, rougeur, douleur, fièvre, voilà. Œdème, gonflement. Alors c'est très bien parce que la peau, les muscles, tout ça, c'est relativement souple quand même. Pas de problème. Sauf que là, on parle d'un tissu inflammé au sein d'un caillou. Des tissus les plus minéralisés du corps, c'est-à-dire au minimum de la dentine, l'émail encore au-dessus. C'est indéformable. Complètement indéformable. Sauf que, et ça, comme quoi, notre corps n'est pas parfait, ça, le système inflammatoire de notre corps, le système immunitaire, il ne l'a pas anticipé en fait. Il se dit, non mais bon, c'est bien gentil, mais je ne vais pas faire un truc spécial pour les dents. Donc, en gros, quand c'est vraiment la guerre au niveau de la pulpe, eh ben, il va y avoir exactement la même chose que ce que vous avez sur votre avant-bras. C'est-à-dire, il y a un influx sanguin, il y a un gonflement, il y a un œdème, voilà... Il y a du plasma sanguin qui se met, enfin bref, voilà, il faut que l'inflammation se mette en place. Sauf que le problème, si on se retrouve à gonfler un ballon dans un caillou, ben, le caillou, il ne se déforme pas. Sauf que le problème, c'est qu'à la rigueur, si on avait juste le ballon à gonfler, bon, ça, il arrêterait de gonfler, c'est pas un souci. Sauf que là, il gonfle, mais il vous écrase les nerfs. Et autant, certes, ça fait mal sur l'avant-bras ou sur la jambe, ou tout ça, là où c'est déformable. Sauf qu'à cette laxité qui permet de souffler un petit peu. Là, non. Ça gonfle, ça gonfle, ça écrase, ça écrase, ça gonfle, ça gonfle, ça écrase, ça écrase, ça écrase. Et c'est pour ça que, à parvenir avec nos superbes instruments qui font les fameux pour ouvrir ça et percer la dent, eh ben, il n'y a pas de solution. Et c'est radical, c'est vraiment radical. C'est-à-dire que chez un patient ou une patiente qui souffre de ça, il y a des gens qui peuvent venir aux larmes au CAB, hein, genre j'en peux plus, je sais plus quoi faire. On va pas se mentir, hein, percer ça, parce que déjà pour l'anesthésier, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est septique. Et le problème de tout milieu septique, c'est qu'il y a là aussi, c'est toujours la même histoire, il y a une perturbation du pH. Et tout ce qui est anesthésie, en tout cas en bouche, hein. Attention, hein, je ne suis pas médecin réanimateur, mais a priori c'est un peu valable pour tout, parce que tout ce qui est articaïne, mébipacaïne, ça a le même système de fonctionnement, c'est à pH neutre que c'est optimal. Donc c'est génial pour anesthésier des tissus sains. La belle affaire, on est content là. Hein. Par contre, quand vous avez un pH qui devient acide, là où c'est inflammé, eh ben, ça marche beaucoup moins bien. Donc les anesthésies prennent difficilement là où ça nous intéresse. Et donc bah, parfois, il y a des patients qui disent « bon, c'est pas grave ». Enfin, façon de parler, bien entendu, je serre les dents, vous y allez. Et là on perd, et là, c'est instantané. Il y a une douleur, forcément, quand on passe, parce qu'avec les vibrations, tout ça, on est quand même dans un milieu, bah, dans un foyer infectieux. Et c'est quasi instantané, c'est-à-dire, on perce, il y a tout de suite, il y a du sang qui sort. Alors, pas 6 litres, hein, on est d'accord, hein, bien évidemment. Mais à l'échelle d'une dent, c'est impressionnant quand même, parce qu'on a un petit geyser quand même, hein, ça goûte. Et tout de suite, il y a le patient qui fait « oh !» Et c'est fini. Et la douleur disparue. C'est parce qu'on a permis à l'œdème, parce que c'est un œdème, de sortir. Voilà, c'était la petite explication pourquoi on dérouille tellement quand on a des problèmes dentaires. Donc finalement, c'est utile d'aller chez le dentiste. Ouais, ça sert à quelque chose. J'ai pas repris mes études juste pour le fun, en fait. Il y avait une utilité autre que la curiosité. Ouais, ça peut servir. On sent que tu fais très bien le bruit de la scie. Ah, ouais, c'est bien, c'est le truc. C'est le truc qui terrorise tout le monde. Hein. Alors, moi, j'ai une question. Sur la douleur, parce que quelle est la meilleure personne pour poser des questions sur la douleur qu'un dentiste? Le cliché, j'aime bien, le cliché. Pardon, je suis Johan, pardon, je viens d'arriver au milieu de l'émission. Et je me posais une question récemment, est-ce que ça fait plus mal si on s'y attend ou si on s'y attend pas? Non, mais alors, il y a tout le monde qui rigole, mais c'est, alors ça, c'est un, pour tout ce qui est traitement. Ce n'est que mon point de vue ce que je vais dire, hein, on est d'accord. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, mais il y en a qui pourraient être en désaccord. Tout traitement médical, quel qu'il soit, même le plus lourd, hein, il y a un gros pourcentage de l'acte en termes de réussite qui est un effet placebo. Ce que je dis là, ce n'est absolument pas péjoratif. Parce que par exemple, ouais, placebo, ça veut dire que ça sert à rien et tout. Non. L'accompagnement psychologique est fondamental. Et justement, ça dépend dans quel état d'esprit est le patient à ce moment-là. Il y a des patients, pour avoir expérimenté ça hier, hein, il n'y a pas de problème dans la bouche, la personne ouvre la bouche, on vient avec la sonde, il n'y a rien, hein, je veux dire, mais c'est vrai, c'est un truc, mais il faut que nous, qu'on aille voir les détails. La patiente s'est reculée de 20 cm, en louchant, elle m'a dit « c'est quoi ça ?» J'ai fait « ben ça madame, c'est la sonde, il faut que j'aille passer derrière votre dent pour voir si tout va bien. » Voilà. Ça, c'est sûr que ce sont des patients à prendre en charge, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a des patients qui se mettent, qui font « allez, au fond, là, je m'en fiche ». Ils ouvrent tout, tu vois tout, c'est facile. Pareil pour des gens qui sont en urgence, par exemple, pour ce que je disais, pour des douleurs qui sont vraiment intenses. Il y a... ça pourrait être un petit peu péjoratif, ce que je veux dire, parce que courage, c'est chez nous, voilà, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui a la classe et tout. C'est une question de courage aussi, et de vécu de la patiente ou du patient. Il y a des patients qui disent « écoutez, je ne me sens pas du tout d'attaque, mettez-moi sous antibio. Ça va diminuer l'infection, on se revoit dans 3-4 jours, vous essayez de me faire une anesthésie qui va à peu près fonctionner, et là on y va, parce que moi j'ai la phobie du dentiste. Hein. Tant qu'on est dans les clichés, la phobie du dentiste, c'est quelque chose de connu. Donc ça fait partie de notre job aussi, de prendre ça en considération. Et il y a des gens, là, donc cette dame-là, d'ailleurs que je revois complètement en faisant l'anecdote, qui me parlait justement de ces deux grossesses à vivre, si j'ose dire, et elle a dit, écoutez, ça, je m'en fiche. Elle s'est vraiment cramponnée sur le côté. Elle s'est dit, ça va durer 2 secondes. Je lui dis, ça va être les 2 secondes les plus longues de votre existence. Hein. On va pas se mentir. Moi aussi, parce qu'il faut que je me concentre pour faire un one shot, quoi. Mais je lui dis, voilà. Et elle a dit, allez-y, je m'en fiche, j'en peux plus. Voilà. Elle a dit, je m'en fiche, j'ouvre la bouche quoi qu'il arrive et tout. C'était bon. Elle n'a pas arraché le fauteuil, hein, ça s'est bien passé. Mais voilà, ça dépend avec quel état d'esprit. En gros, l'esprit guerrier, c'est j'y vais, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Ou je me sens pas d'attaque. Mais ça, c'est une discussion que tu as avec le patient et c'est totalement variable. Chaque patient est unique. Tu peux pas généraliser. Et après, tu as l'historique aussi. Rien que des enfants qui ont des parents qui n'ont pas la phobie. C'est hallucinant. Ce sont des petits, tu leur dis bonjour. Tu t'es même pas retourné, qui sont déjà assis, limite en rigolant sur le fauteuil, la bouche ouverte. Tu as un enfant, c'est sa première fois chez le dentiste, ou deuxième fois chez le dentiste. Tu as la mère, tu regardes tout de suite, la mère ou le père. Hein. Tu dis, oh, oh, là, le père ou la mère, il s'est passé quelque chose. Tu le vois, c'est ce que j'appelle, parce que moi, j'aime les animaux et tout, mais tu vois ce que j'appelle, moi, le regard bleu des chiens. Je sais pas si, voilà, si ça parle, mais un chien qui a la trouille, il a le regard qui devient bleu, un peu, je sais pas comment dire, mais un peu bleu. Et je retrouve ça chez certains patients. Alors, je sais pas si c'est bleu ou quoi, mais je reconnais le truc. Et je me fais, oula, il y a quelque chose. Et tu sens, là aussi, toujours la même image, effet domino, le gamin le sent. Et tu t'en fiches, même si c'est une phrase qu'on a sortie du genre « Oui, on va aller chez le dentiste, mon cœur, ça va bien se passer. » Voilà. C'est la façon de le sortir. Je sais pas, moi, je suis pas à la maison chez eux. Hein. Mais tu te dis qu'il y a un passif avec les parents. Après, généralement, si tu les as en patient, tu grattes un peu. Oui, j'ai eu un gros trauma quand j'avais 8 ans. On m'a déboîté la tronche pour m'enlever une racine. Et ils me l'ont découpé. Ça a duré 3 heures. C'était horrible. J'ai fini à l'hosto. Voilà. C'est généralement, tu creuses un petit peu, tu le vois psychologiquement. Ça, reconstruire, ça prend du temps. Et comme dit, n'importe quelle expérience, même ça, c'est ce que tu as vécu dans l'enfance. Et s'il y a des gens qui te font confiance, même quand ils ont mal, ça peut être du genre, c'est pas grave. Je prends toujours cette image, mais elle est impropre. C'est je serre les dents, allez-y. S'il y a eu une mauvaise expérience à un moment ou à un autre dans le parcours de soins, ils vont pas te faire confiance comme ça. Ils vont dire, on va essayer la deuxième possibilité plutôt. Voilà. Donc non, c'était une très bonne question et je pourrais en parler des heures parce que là, c'est de la psycho. Et ça a une part fondamentale dans notre boulot. De n'importe quel toubib. Hein. Là, je parle en dentiste parce que je suis dentiste. Mais tu accompagnes vraiment la personne. Tu as des patients qui sont vraiment en souffrance psychologique. Et comment dire, tu vas plus les soigner en les écoutant, presque, hein. Plus les soigner en les écoutant qu'en faisant... Là, tu feras quand même, hein, il faut les soigner. L'effet placebo, il est bien, mais il ne fera pas tout le job non plus. Mais tu as des gens qui viennent et qui te racontent toute leur historique. Tout. Oui, j'ai eu ça, j'ai eu ceci, j'ai eu ça comme problème, machin, tout ça. Et c'est à toi de le prendre en compte, en considération pour toute la suite du soin. S'il est compliqué, si c'est juste une petite carie occlusale... haut de la couronne, voilà, en haut de la couronne qui est toute simple, voilà, ça ne pose pas de problème. Après, généralement, les gens qui ont eu des traumas psychologiques de ce sens-là, là, c'est tu refais tout le sourire. C'est t'as 3 ou 4, 5 chires à faire, t'as une quinzaine de caries, t'as une gencive qui est même plus rouge, elle est violette. Donc, c'est lourd. Il faut vraiment accompagner le patient. Donc, c'était une très bonne question et je suis content d'avoir pu partir là, dans ce petit coin psycho, on va dire. Merci. Être dentiste, c'est pas que charcuter des gens, c'est aussi faire un peu de psychologie. Si c'est génial, en tout cas, parce que je pense que tous les soignants ne sont pas nécessairement comme toi. Moi, j'ai une chirurgie assez lourde il y a 1 semaine et demie, là, et donc je te confirme que c'est agréable quand on a des gens qui écoutent un peu ce qu'on a à dire. Il y a un prof qui me disait, ce qui est une évidence, mais enfin c'était une évidence pour moi à l'époque, mais c'est visiblement pas pour tout le monde. N'oubliez jamais qu'au bout de votre dent, il y a un patient. Voilà, tout est dit, ça paraît fou de dire comme ça, mais je trouve ça très juste, quoi. C'est ouais, tu ne soignes pas une dent et puis voilà, j'ai une carie occlusodistale sur 14, je suis un cyborg. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est non. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Je veux dire, si t'as pas un minimum d'empathie, être un soignant, c'est un peu compliqué. Mais il y en a qui n'ont pas d'empathie. On est tous différents. Alors, pendant qu'on est dans les idées reçues, on va y passer dans 3 minutes. Je suis sûre que t'as plein d'anecdotes, d'idées reçues qu'on a sur les dentistes et que tu dois te prendre en pleine dent, si je puis me permettre. Ouais, mais ça fait partie du jeu aussi, ça. Toute la journée. Mais juste avant, je voulais te demander, est-ce qu'il y a les problèmes de dents, donc les simples problèmes de dents, ça peut engendrer d'autres problèmes dont on n'avait pas idée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête, par exemple, quand ils ont des problèmes de dents. Alors ça peut. Alors le problème c'est qu'il peut y en avoir beaucoup. Je vais faire les plus parlants. Je vais revenir sur l'image extrême que j'avais sur ce que j'avais appelé la cellulite génienne basse, justement. Tu disais, voilà, quelles sont les complications qu'on peut avoir. Ça peut aller, dans des cas extrêmes, hein, on est d'accord. Dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à mettre en danger le pronostic vital du patient. Donc ça peut aller jusqu'au décès, quand c'est vraiment bien installé. C'est un cas extrême. Par exemple, en termes de, petites, pas forcément, hein, mais en termes de complications, ce qu'on peut avoir, ce qui est très fréquent, c'est que pour les dents maxillaires, donc les dents de la mâchoire du haut, il y a les sinus. Alors ça, j'ai le problème, c'est si j'avais mis une panoramique, on l'aurait vu, j'aurais pu le montrer. En gros, juste au-dessus, ouais, comment dire? Parce que c'est en fait la mâchoire supérieure, c'est un terme impropre, mais en gros, sous les yeux, pour alléger le poids de la tête. Ça sert aussi un peu à analyser ce qu'on respire, tout ça. Bref, mais c'est surtout pour alléger. On a ce qu'on appelle les sinus, la fameuse sinusite. Sinusite, on y retourne, inflammation des sinus. Voilà. On a donc ça, ce sont des cavités aériques, c'est-à-dire c'est des creux. Voilà. C'est pour alléger, pour éviter que notre tête, qui comme dit sur la position debout, ben, elle pèse 50 kg et que ben, ça nous explose la colonne vertébrale. Tout est très bien étudié quand même, relativement. À part la première prémolaire. Mais voilà, non, c'est bien étudié, blague à part. Et le problème, c'est qu'il y a... alors, c'est mon cas, voilà, par exemple, hein, mais ça, c'est la génétique. Les dents peuvent être ce qu'on appelle être procidentes. Super terme, j'explique tout de suite ce que c'est. En gros, les racines, au lieu d'être dans l'os, elles vont être dans l'os, mais l'extrémité des racines... alors, ça peut aller jusqu'à justement la première prémolaire. Hein. Donc, des molaires, en tout cas. Eh ben, ça se retrouve dans le sinus. Alors, ce n'est pas à même dans le sinus. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ce que j'ai dit, il y a le ligament, le desmodonte, le ligament, l'amortisseur autour. Et il y a dans le sinus, c'est pas juste une cavité creuse. Et c'est tout. Il y a ce qu'on appelle, dedans, c'est une muqueuse, qu'on appelle la membrane de Schneider. Je déteste quand il y a des noms comme ça, les épines de Spix et machin. Ça, c'est des espèces de cakes. Ils se sont dit, non, mais c'est vrai. Ils ont regardé ce truc-là, ils ont fait, ah, dis donc, il y a une membrane, ça tombe bien, je m'appelle Schneider, hop là, comme ça, on se souviendra de moi. Je déteste ça. Les mecs, c'est des mégalos, quoi. Mais bon, ça s'appelle la membrane de Schneider. Et quand c'est vraiment très procident, s'il y a une inflammation de la pulpe ou ce genre de choses, ou même, si l'occlusion est inadaptée, il va y avoir une inflammation du desmodonte, donc du ligament, ce qui peut induire une inflammation de la membrane de Schneider, donc une inflammation du sinus, donc des sinusites chroniques. Voilà. Donc, et par exemple, je peux en parler puisque c'est mon cas, donc voilà, le symptôme, je peux en parler. C'est quand on est dans ce cas-là et qu'on a une sinusite, on a l'impression que les dents, quand on mâche, elles sont sur coussin d'air. Tout simplement parce que comme il y a cette membrane qui est gonflée, ça se voit très bien à la radio, ce genre de truc, hein, les sinus bouchés, si je veux dire, cette inflammation, et ben c'est la membrane de Schneider, en gros, elle a aussi une forme d'œdème. Et donc, du coup, on sent que c'est comme s'il y avait un amortisseur qui était plus important que ça. Ça peut poser des problèmes, justement, pour les voies respiratoires. Ensuite, tu me disais, est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Oui, les problèmes occlusaux. L'occlusion, comme dit, c'est l'emboîtement des deux arcades, le haut et le bas. Comme en permanence, quand on parle, sauf quand on est en repos, et encore, il y a des informations en permanence, entre les dents, comme dit le ligament, et les muscles. Le problème, c'est que si on a une occlusion qui n'est pas optimale, personne n'a une occlusion optimale, hein. On va pas se mentir, hein. C'est un truc de bouquin, ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tous, hein, tous autant qu'on est. En fait, si on n'a pas une occlusion optimale, ça va être, comme dit, que ça va être compensé, justement, puisqu'on parlait avant de tout ce qui est compensation. Et on peut avoir des problèmes, justement, musculaires. Du coup, c'est la photo que tu as mis là. C'est l'image, super. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, il y en a beaucoup plus que ça, des muscles, mais je me suis dit, c'est les plus parlants. Alors, celui qu'on voit en diagonale qui se greffe sur la bouboule. Donc le processus zygomatique, mais la bouboule qui est sous l'œil. Voilà, la bouboule qui est sous l'œil, on va dire ça comme ça. La pommette. La pommette, exactement, bien joué. Sur la pommette et à la base de la mandibule, c'est ce qu'on appelle le muscle masséter. C'est là aussi, il y a controverse, mais c'est vraiment du genre, c'est parce que je suis l'expert du masséter et tout. En gros, on va pas se voiler, c'est un des muscles les plus puissants du corps humain. Ce qui me permet de faire aussi un autre petit aparté, j'aime bien les apartés, c'est justement quand on dit, par exemple, si quelqu'un fait une crise d'épilepsie, ne jamais essayer, par exemple, de retenir la langue. Parce que le problème, c'est que si le masséter se met à fond, s'il se contracte à fond, votre doigt, vous ne le voyez plus. Hein. Parce que quand on est 80 kg par centimètre carré, c'est quelque chose qui est régulé. Parce que mais quand on, ça se sent. Quand on mord vraiment très fort sur les arcades, d'ailleurs, on le sent presque, l'amortisseur quelque part. On le sent. C'est pas, on n'est pas sur de la caillasse. On sent qu'il y a, voilà, ça se contracte, ça se déforme en fait. Voilà. Mais parce que c'est régulé. Le masséter, il n'est pas idiot, il ne va pas dire « bon, bah, je vais te mettre une pression de 750 tonnes, ça va te lézarder ton émail, ça va te péter tes racines et tu vas avoir une fracture de la mandibule ». C'est pas son job. Mais en crise d'épilepsie, il ne se contrôle plus. Hein. Donc, le problème, voilà. Donc ça, je finis l'aparté, c'est pour ça, c'est à cause de lui que surtout, si vous voyez quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, ne mettez rien dans la... C'est broyé. La puissance de la mâchoire de l'être humain, on se dit « ouais, bon, c'est un petit truc, voilà, ça mâche du chewing-gum et tout ». Non, ça peut être phénoménal. Donc voilà, donc ça c'était le masséter, le truc en diagonale. Ensuite, on a le temporal, qui est au niveau de la tempe, hein, c'est l'espèce de gros machin qu'on a, qui se greffe, alors on ne le voit pas, c'est derrière le masséter, mais en fait, qui se greffe sur une sorte d'épine qui est sur la branche montante de la mandibule. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Au coin de la bouche. Bref, en gros, il va servir, comme le masséter, mais pas avec la même orientation, à fermer la bouche. Il est beaucoup moins puissant. Beaucoup moins puissant. Et sur l'image, il y en a un. Alors lui, c'est même dans les, il est décrit comme ça pour sa fonction dans les bouquins. Complexe. J'adore. Ça, c'est d'ailleurs, c'est les gens, ils ont fait. Il intervient dans tellement de trucs qu'on n'arrive pas à le mettre dans une case. Alors, il a un nom absolument génial. C'est le muscle ptérygoïdien latéral. C'est génial, ça fait trop bien. Beau compte triple, on est bien. En gros, ce truc, il part de la, je vais pas dire, de la base du crâne. Voilà, de la base du crâne, on va pas... Voilà. Et il va se fixer sur la capsule articulaire de l'articulation temporomandibulaire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque que je viens de sortir? C'est absolument horrible. En gros, c'est que la seule chose qui est vraiment articulée au niveau de la face, c'est la seule articulation qui est bilatérale, hein, de chaque côté, c'est notre mâchoire, c'est la mandibule. Et vous avez une articulation que vous sentez juste devant vos oreilles. D'ailleurs, si vous mettez vos doigts de part et d'autre, au moment où vous serrez, vous sentez une sorte de gonflement. Et éventuellement un claque, ça dépend. En gros, c'est l'articulation qui se fait entre le crâne à proprement parler et la mandibule, donc la mâchoire inférieure. Et ça, dedans, il y a un disque articulaire. Et tout autour, pour protéger ça, il y a une capsule, voilà, ligamenteuse. Et bien, ce muscle, en partie, il va se coller là-dessus. Alors pourquoi je vous embête avec tous ces trucs-là? Il y a de quoi se pendre, et encore, il y en a 10 fois plus. Mais à quoi ça sert ce truc-là? Bon, on va créer rien que pour ça, pour maintenir à peu près la fonction ouvrir-fermer, voilà, et un peu de déviation. On a 3 muscles, dont un qui est surpuissant. Le problème, c'est que il y a des gens qui sont stressés. Ça, c'est la gros... alors là, c'est l'axiome que je viens de balancer. Il y a des gens stressés, c'est complètement fou. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle, dans des cas extrêmes, ce qu'on appelle le bruxisme, le fameux « je grince des dents la nuit ou la journée ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont serrer en permanence les dents. Ils s'en rendent compte ou pas. Il y a des gens qui s'en rendent compte. D'ailleurs, le dentiste peut prendre en charge... psychologiquement géré ici sur un patient, ça peut fonctionner. On peut combattre le bruxisme justement avec l'esthétique et ce genre de choses. Bref. Là aussi, tout est faisable. S'il y a une contraction, j'allais dire une contracture, j'allais finir ma phrase avec directement. S'il y a une contraction prolongée d'un muscle, quel qu'il soit, ça finit par avoir une contracture. Aucun muscle, rien, aucune fonction, même cérébrale, hein, n'est censée fonctionner H24. Il y a un moment de repos. Voilà. Au moins, je souffle, je me régénère, bref. Le problème, c'est que si on commence à avoir des contractures musculaires au niveau de la face, comme je disais, effet domino. Il y a un muscle qui est tout le temps contracté. Il n'est pas censé l'être. Donc, par exemple, c'est un grand classique. C'est juste parce que, pour dire que tout ce qui est problème au niveau de la bouche peut aussi parfois avoir une origine musculaire et une prise en charge de kiné peut être une bonne chose. Le dentiste peut faire un peu de kiné aussi. Voilà. Et ça marche bien. Alors, pourquoi le ptérygoïdien latéral? Pourquoi je vous bassine avec ce truc? C'est juste parce que chez des gens qui sont tout le temps serrés, stressés, voilà, souvent, il va y avoir aussi le « j'ai des problèmes de nuque », là, au niveau du trapèze, j'ai des problèmes à l'épaule, ça peut descendre jusqu'au lombaire, et on ne trouve pas ce que c'est. Et tu dis suite, tu fais ouais, d'accord, mais par contre, je vois que vous avez quand même des dents qui sont vachement élimées d'une façon pas naturelle. vous bruxez, vous vous dérapez, tout ça. Ah oui, je suis quelqu'un de stressé, voilà. Psychologie, voilà, on parlait de psychologie. J'ai eu tel et tel trauma, tel et tel événement indésirable dans ma vie, bim, depuis je suis stressé au boulot, voilà, le grand classique, hein. Voilà. Alors le truc, et en fait, le petit rigoïdien latéral, le petit bidule rouge qu'on voit là entre les deux gros monstres musculaires, ça, en fait, on peut le palper. C'est quelque chose qui se passe à l'arrière. Alors là, bon, là, il faudra vraiment que je vous le montre en live, mais en gros, c'est vraiment à l'arrière de la dernière dent maxillaire, la dernière molaire. C'est derrière une protubérance qu'on appelle la tubérosité maxillaire, et on le sent bien. C'est un muscle qui est relativement dur, et chez des gens où c'est contracté en permanence, c'est dur, mais c'est du béton. Alors que normalement, on peut quand même un peu le... C'est quand même un petit peu dépressif, quoi. Enfin, voilà, on peut faire quelque chose. Là, non, c'est en béton, c'est vraiment contracté en permanence. Donc, il faut bien se dire que si c'est contracté en permanence, alors que ça ne devrait pas, c'est contrebalancé par d'autres muscles qui disent, bon, bah là, il faut quand même que j'arrive à déboîter un peu cette mâchoire qui devrait... Voilà. Donc, il y a un muscle qui est au seuil de la mort, hein, on va dire ça comme ça, qui est limite tétanisé, et d'autres qui vont bosser derrière en disant bon, on va essayer, et ça peut aller jusqu'à des problèmes posturaux. Parce qu'il faut bien se dire que, comme dit toujours l'effet domino, c'est pas juste un muscle qui va compenser, c'est 10 derrière, et ça va faire et ça va aller jusqu'au dos. Alors, pour parler de la kiné, ça peut être radical, c'est pas, il n'y a aucun remède ni miracle sur cette planète, mais un massage. Alors, il est possible de faire une anesthésie de ce ptérygoïdien latéral. Ça relâche déjà. Déjà, les patients, oh, déjà là, ça va beaucoup mieux. Mais il est aussi possible de le masser. Alors, il vaut mieux faire une anesthésie avant. Mais là aussi, ça dépend du patient. Il y a des patients qui disent, moi, je m'en fiche. Ça, je vais dérouiller pendant une seconde, mais la piqûre, j'en veux pas. OK. D'accord, c'est votre droit. Et il y en a d'autres qui disent, non, la piqûre, je préfère, s'il vous plaît. Mais en gros, on fait une sorte de 8 avec deux ou trois doigts, parce que c'est quand même béton. À l'arrière, pendant 60 secondes sur ce muscle ptérygoïdien, ça le relâche. C'est comme quand on est bloqué au niveau des cervicales, quand on se fait un petit massage, ça va mieux. Et c'est radical. C'est-à-dire que si ça a marché, la personne, au bout de 45 secondes, elle fait c'est bizarre. Limite, on peut se la faire lever du fauteuil, j'ai plus mal nulle part. Alors, attention, ce n'est que transitoire, parce que le problème est certes musculaire en termes de mécanique, mais l'étiologie est psychologique. Donc, tant que les névroses ne sont pas un petit peu compensées, c'est quelque chose qui va revenir. Voilà. Donc, c'était juste pour dire que des problèmes musculaires, ça peut être des problèmes posturaux qui peuvent aller jusqu'au lombaire. Des problèmes occlusaux, là, d'emboîtement, ça peut avoir des effets sur l'articulation dont je parlais avant. Or, comme il y a des muscles qui s'insèrent, eh ben, eux, ils vont essayer de compenser et on est reparti dans le domino. Donc, il y a plein de problème potentiel, et surtout, parce que je voulais, là je finis avec ça, si maintenant, là on parle dans tout ce qui est presque, comment dire, non pathologique au sens infectieux du terme, toute infection qu'on peut avoir sur une dent, à partir du moment où elle dégénère, comme je disais, elle peut partir sur une infection focale. Donc ça peut aller au cœur, ça peut aller au poumon, ça peut aller là, dans tout tissu vascularisé. Et là, c'est un autre biofilm qui s'installe, et voilà, c'est reparti. Donc, il faut surveiller. Moralité, aller chez le dentiste pour prévenir plutôt que pour guérir. Oui, c'est mieux. Oui, voilà, c'est plus simple. Même pour ce que je disais, pour une pulpite réversible, c'est un petit soin, ça va se faire rapidement, ça va se faire sans douleur. On essaie toujours de faire sans douleur, hein. On est d'accord, bien évidemment. Mais plus on attend, ça c'est le coup classique aussi, c'est genre... Ouais, je viens chez vous que quand j'ai mal. J'ai fait, bah ouais, mais vous viendriez chez moi avant, vous auriez jamais mal de votre vie. Parce qu'on court-circuiterait avant. Ouais, je sais, mais j'ai pas le temps. Alors là, on a le panel de toutes les excuses. Ce que je peux comprendre aussi, c'est ce que je dis toujours, même aux patients, même le dentiste, il n'a pas envie d'aller chez le dentiste. Hein, parce que la tête à l'envers, pendant que quelqu'un farfouille dans votre bouche, vous ne voyez rien. Et on est dans la surface de l'intime. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. Puisqu'on est là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas chez le dentiste justement parce que c'est désagréable ou qu'ils ont peur, etc. Et puis, je pense qu'on a pas mal d'idées reçues sur les dents, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de caries, il n'y a pas besoin d'y aller, etc. Et à l'inverse, il y a des gens qui y vont sûrement trop. Pour des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as quelques idées reçues comme ça qu'on a chez le dentiste, des trucs que tout le monde pense? trop chez le dentiste. Bah, je sais pas, j'imagine que des gens qui sont phobiques d'avoir des tartes... Là, c'est de l'hypocondrie, c'est comme n'importe quel toubib, toutes les deux. Il y a des personnes comme ça. Ah, il y a des personnes comme ça. C'est, viennent, voilà, écoutez, je prends bien soin de mes dents. Ah ouais, c'est tout est nickel, il n'y a rien. Vous êtes sûr que là, il n'y a rien, tout là. Mais c'est de l'hypocondrie. Mais ça, c'est un problème, là... Ou c'est qu'on aime les compliments, je sais pas. Voilà. Moi, j'avoue, je vais chez le dentiste tous les ans parce que mon dentiste, il me fait toujours des compliments. C'est un bon moment, quoi. Eh ben voilà, Bon, ça peut être... Non, mais en plus, t'as là aussi très sérieusement... Ok, on n'est pas forcément, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas forcément en train de... On n'est pas dans son canapé en train de regarder un film, ça c'est clair. Mais ça peut ne pas être un moment désagréable. Voilà, même quand je suis en chire et que je vois qu'il y a des patients. Alors après, je fais pas ça avec tous les patients parce que voilà, après faut les connaître et juger. Il y a des gens qui sont tendus et qui disent ouais, si vous pouvez balancer 2 ou 3 vannes pendant que vous me découpez la gencive, moi ça m'apaise. Donc du coup voilà, je raconte des conneries et tout. Ça, alors, bon, par contre, s'il y a un fou rire avec le patient, ça m'est arrivé une fois. Par contre, je l'ai un petit peu trop fait marrer. J'ai fait bon, là il faut juste qu'on se calme parce que là du coup je peux plus bosser. Mais et pourtant c'était une grosse chire et ça s'est très bien passé. Donc, ça peut, même pour des choses lourdes, ça peut bien se passer. Si on est dans une bonne position psychologique, et puis si tu essayes d'instaurer tout simplement une bonne atmosphère. Ouais, tu disais pour tout ce qui était contrôle, ce genre de choses. Ouais, un truc très important, c'est que là, le dentiste égale dent. Le message, c'est que... Alors attention, c'est pas pour empiéter sur les domaines d'autres. Hein. Comme dit, moi, je suis pas un kiné ou quoi que ce soit. Chacun son domaine. Mais... Je n'ai pas la vision de Superman, personne ne l'a. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir de caries et de ne pas avoir de problème occlusaux ou quoi que ce soit, mais avoir un problème osseux en dessous. Attention, là pas que dans le chat, il y a tout le monde qui se dit « Oh punaise, alors là c'est fini, j'ai pas de problème depuis 20 ans, là peut-être que j'ai un cancer du sida, c'est le bordel. » Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que tout simplement, c'est une surveillance. C'est voir un truc tout bête que par exemple peut faire, que même doit faire un dentiste. Imaginons, il y a un patient qui vient, qui s'est croûté à vélo, boum, voilà, il s'est croûté la mandibule. Et ben nous on fait une radio parce qu'on peut, c'est notre job aussi de déblayer, et de dire ah attendez mais là il y a une fracture ou une fêlure. Et après on réadresse à des gens qui s'occupent de ça. Par exemple, on regarde le sinus, on fait « Oh punaise, ça fait 50 ans que vous avez une sinusite chronique ? » « Ah ouais, je n'arrive pas à respirer depuis 50 ans. » « Ah ben, il faudrait peut-être consulter un ORL. » « Ah, c'est quoi ça ?» Ça paraît débile, mais on peut avoir des conversations comme ça avec des patients. Et donc, du coup, c'est aussi notre job de réorienter en disant « Attendez, là, je détecte un truc. » Voilà. Donc ça... Après, c'est pas parce qu'il se passe rien qu'il y a forcément un problème. Non, s'il se passe rien, c'est aussi que statistiquement, il n'y a rien qui se passe. C'est bien. Voilà. Mais ça, c'est un check. C'est un check-up, tu regardes s'il n'y a pas de souci, tout simplement. Ok. Et alors, pour le côté idées reçues, de trucs auxquels je pense, là, vite fait, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est normal d'avoir les dents qui jaunissent ou est-ce que dès qu'on a un problème, il faut absolument enlever les dents? Oui, alors... C'est effectivement. Alors, en termes d'idées reçues, le fameux truc, et on va retomber sur Tom Cruise, hein, photoshopé machin. Idées reçues. Oh, c'est terrible, mes dents, elles sont moches. Oh, punaise, elles sont pas blanc carrelage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh la vache, à la limite, elles vont tomber dans 2 jours. Non. Alors, justement, on revient tout au début avec les fameux odotomblastes et leurs tentacules et qui sécrètent de la dentine en permanence. Pour, on va dire couleur, hein, on va pas rentrer dans teinte, saturation, opacité, tout ça. Pff, ça, on s'en fiche. Couleur de la dent. Une dent, en fait, la couleur de votre dent est due à la dentine. Et à la réfraction, pas la réflexion, la réfraction, c'est-à-dire la déformation de la lumière, très synthétique, hein, de la lumière par votre émail. En gros, l'émail, il est translucide, mais il est ce qu'on appelle opalescent. En fait, si vous regardez un petit peu, il est un peu bleuâtre comme ça. Mais il est translucide, pas transparent. Donc lui déjà, quand la lumière passe à travers, elle est déformée. Ensuite, ça va taper sur la dentine qui, elle, sa teinte, sa couleur, varie selon les individus. Et ça, c'est pas une question d'âge. Entre le jaune très clair et le orange. Ça, c'est génétique, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Donc déjà, là, on est en train de se dire, mais si j'ai un truc qui n'a pas de couleur, c'est-à-dire qui est dans l'absolu, hein, transparent, il n'y a pas de couleur, et un truc jaune en dessous, bah les dents, elles sont jaunes alors. Bah ouais. La teinte naturelle des dents, c'est jaune, c'est pas blanc. C'est pas le truc photoshopé Tom Cruise des magazines. Ça, c'est une connerie. La dent est jaune de base. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, mais bon, c'est dégueulasse, mon voisin, il a des dents qui sont... » Là, je mets des guillemets, qui sont plus blanches que les miennes. Comment ça se fait? Alors, plusieurs solutions. Si ça se trouve, le voisin, il a 40 ans de plus que vous. Or, les odontoblastes, ils font bien leur job, mais ils sont un peu bêtes de ce côté-là. C'est qu'ils vont sécréter de la dentine en permanence. En fait, pourquoi avant j'avais dit dentine secondaire, tertiaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ce qu'on appelle la dentine primaire, c'est le squelette de la dent quand elle va, ploup, quand elle va sortir sur arcade. Parce qu'il faut de la dentine, on est d'accord, parce que sinon on a juste notre petite coque d'émail d'1 mm, ça ne vous fait pas la dent. Comme dit, les 3/4, c'est de la dentine. Ça, c'est la dentine primaire. Une fois qu'elle est sur arcade, bien formée, tout ça, les odontoblastes, eux, c'est des bosseurs. Ils vont faire, bon, nous on continue, on y va, on produit de la dentine. Ce qu'on appelle de la dentine secondaire. Et pourquoi il y en a 3? C'est si on a une carie, donc si on a une attaque, qui se fait détecter par les tentacules des odontoblastes qui font hey, c'est bizarre là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Normalement, il y a de l'émail au-dessus qui est censé être dur, là je me retrouve avec un truc mou, et en plus, on est en train de me cracher du caca à la figure puisque c'est des bactéries qui sont en train de creuser. Là, c'est la panique, et ça va synthétiser très vite de la dentine qu'on appelle tertiaire, c'est ce que je disais, c'est en panique, désorganisée. Tout ça pour dire qu'au fur et à mesure du temps, vos dents deviennent de plus en plus jaunes. Mais c'est pas anormal. C'est normal, c'est le fonctionnement normal des odontoblastes. C'est pour ça que quelqu'un qui a 15 ans, eh ben, il a des dents qui semblent plus blanches que quelqu'un qui en a 90. Parce que ça fonctionne en permanence. Ensuite, pourquoi on n'a pas tous les mêmes teintes de dents? Parce que les organisations des fameux cristaux d'hydroxyapatite, c'est aussi propre à chacun. Parce que lors du développement de la dent, il y a toute une structure de protéines qui se met en place, avec des protéines qui viennent, des protéines qui s'enlèvent et tout ça. Et la formation de l'émail n'est pas forcément identique d'un individu à l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est que c'est bien gentil, là on se dit, bon d'accord, la dentine elle peut se régénérer parce qu'on a les odontoblastes qui sont derrière et qui en plus en produisent presque à vitam aeternam. L'émail, c'est différent. L'émail, une fois qu'on l'a, on le garde toute la vie, c'est quelque chose qui ne peut pas être régénéré. Tout simplement parce que, en gros, il existe des cellules qu'on appelle des améloblastes, et en gros, qui synthétisent cet émail. Sauf que ces améloblastes rentrent en apoptose, c'est-à-dire se suicident, une fois que la dent est sur arcade. Donc, c'est un tissu qui ne se renouvellera jamais. Et la formation des cristaux d'hydroxyapatite peut varier en fonction de l'alimentation, avec plus ou moins de fluor. Voilà. Donc, tout simplement que la lumière est plus ou moins réfractée selon les gens. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la teinte. Et le truc aussi pour le fait, est-ce que c'est grave de perdre une dent ou pas? Comme je disais en préambule, la nature a horreur du vide, mais encore plus de l'inutile. Si tu as une dent qui vient à manquer, on essaiera de compenser son absence par les autres. C'est-à-dire que celles qui étaient de part et d'autre de la dent vont se décaler pour essayer de combler le trou. Et celle qui est au-dessus va ce qu'on appelle égraisser, c'est-à-dire va descendre pour là aussi combler le trou. On ne va pas se le cacher, c'est vraiment la solution du pauvre, c'est un peu du travail de sagouin, mais ça va essayer de combler le vide en créant ailleurs, donc c'est pas super. Ça, c'est déjà pas terrible, parce que du coup, toute l'occlusion, au fur et à mesure du temps, va complètement partir à volo. Mais surtout, et ça c'est le plus important, et on ne le voit pas, c'est que, comme je disais, la nature a horreur de l'inutile. En l'occurrence, si on enlève une dent, l'os en dessous se dit bah, « je ne sers à rien. Moi, mon job, c'était de tenir une dent. Bah, elle n'est plus là. Oh, bah, je me casse. » Et en fait, vous avez une résorption osseuse qui se fait. Et tout simplement, ça fait un trou dans le... Alors, on est d'accord, ce n'est pas toute la mâchoire qui va fondre, mais on va avoir un creux qui va se former là où il y avait la dent initialement. Donc, voilà. Il y a juste Claire qui a une question pour toi. Ouais. Oui, je me démute, pardon. J'ai une question sur du coup, tout ce qui est procédé de blanchiment dentaire et tout ce qui est norme. Qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que je sais qu'aux États-Unis ils font des blanchiments à l'américaine qui sont avec des concentrations bien plus importantes. Ouais. Et en France, t'entends dire que c'est super mauvais pour les dents, qu'il faut absolument pas faire ça. Alors, le principe du blanchiment, c'est quel que soit le composé. Parce qu'il y a des débats sur des trucs, oui, ça c'est cancérigène et tout. C'est la dose qui fait le poison de toute façon, quelle que soit la molécule. Mais bon, là, je sais pas, c'est des... Mais là, c'est... Mais en fait, tout est à base de peroxyde d'hydrogène, donc d'eau oxygénée. C'est ça en fait qui te blanchit les dents. C'est-à-dire que ça va te détruire toute la matière organique qui est concentrée dans l'émail et un petit peu sur la dentine. Et tout simplement, effectivement, ils y vont comme des brutes aux États-Unis. Le problème, c'est que derrière, ça peut te produire des sensibilités. Et ça peut te produire des sensibilités même à nos doses très faiblardes en France, où, pas que je dise de bêtises, je confonds toujours, je crois que c'est 2 ou 4%. Bref, c'est une petite quantité, mais pas totalement négligeable non plus, où des gens ne peuvent même pas faire de blanchiment parce que rien qu'une nuit en ambulatoire avec le produit, avec le peroxyde d'hydrogène, c'est insupportable. Ils ne peuvent pas. C'est trop sensible. Donc, c'est variable d'un individu à l'autre. Et il faut bien se dire qu'un blanchiment peut fonctionner très bien sur une dent et pas du tout sur une autre, même au sein d'un même patient. Donc, c'est quelque chose de très aléatoire. Et c'est quelque chose de totalement aléatoire. Et en plus, quelque chose qu'il faut renouveler. Et on ne peut absolument pas dire, on le tente, hein, c'est-à-dire si le patient il veut tenter, généralement ça fonctionne, mais il y a des dents chez qui il ne se passe rien du tout. Et on va se dire, mais c'est dû à quoi? Eh ben on n'en sait rien. Il n'y a aucune étude qui est capable de dire, ah oui ça ne marche pas parce que, non, c'est en gros, c'est essayer, c'est empirique au dernier degré. C'est, on a le matos, voilà. Et alors tu parlais des blanchiments et tout, alors ça c'est du surtraitement. Mais par exemple, le sourire Tom Cruise et tout ça, c'est pas forcément du blanchiment. Hein. Le blanchiment, c'est sur une dent naturelle. Ce qu'on peut faire, ce que je fais pas, hein, mais ce qu'on peut faire, on s'emmerde pas. Hein. Tu tailles la face vestibulaire, la face qu'on voit, la face visible de la dent, on la taille, on colle une facette dessus. Hein. Ah, c'est bon là, on l'a. C'est super, on a mutilé la dent alors qu'elle n'avait pas de problème, c'est génial. Ah non, mais moi je suis ébahie par le summum d'ingéniosité de l'être humain dans des trucs qui servent à rien. Si tu savais, non, c'est très en vogue. C'est très en vogue, ça, ce genre de truc. Du coup, quand les étrangers disent « Ah, les Français, ils sont dégueulasses, ils ont les dents jaunes », on peut juste dire « Non, mais nous, on a des dents naturelles. » Ouais, voilà. Alors, on va se raccrocher comme ça. Voilà, c'est... En fait, c'est des dents en contreplaqué, c'est dingue. Ben oui, mais personne n'a les dents en blanc carrelage. En teinte 1, c'est une teinte A1, j'appelle ça, ouais, ou même t'as du A0 même. C'est une immondice ce truc. Et t'as des patients qui te le demandent, quoi. T'as des patients, t'es là, tu fais non, mais non, c'est horrible, non, mais même arrêtez de penser à Tom Cruise là. Ça brille dans le noir. Oui, c'est ça, limite, c'est fluo, enfin, c'est. Ouais. Ah ouais. C'est bien, on n'en veut plus, et puis on est conditionné par les pubs et ce genre de trucs. Quoi. On arrive presque à la fin du temps de l'émission, mais du coup, je voulais juste qu'on parle un peu vite fait, très vite fait, de qu'est-ce qui se fait dans la recherche fondamentale autour des dents. J'imagine qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur les dents aussi, et est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots, et peut-être que Alexa pourra compléter après. Ah, totalement, parce que 2-3 mots, je pourrais te sortir juste 2-3 mots, parce que, comme dit, moi j'étais chercheur dans tout ce qui était donc, biologie moléculaire, cellulaire, vraiment, quand ce genre de truc. Là, je fais plus de recherche en fait. Juste hashtag je raconte ma vie. Mais là, je peux juste parler d'une recherche sur laquelle je donnais un coup de main. C'était pour tout ce qui était recherche d'alternatives aux antibiotiques. Là, en l'occurrence, c'est les peptides antimicrobiens de synthèse sur lesquels j'ai un petit peu bossé. Ça a une... Alors, ça, là, on l'a dit comme ça, c'est du fondamental. Ça, c'est le genre de truc qui, in fine, on aimerait... Ouais, ceux qui bossent dessus, quoi. On aimerait coller, par exemple, dans des gels pour tout ce qui est éviter les inflammations autour des implants et ce genre de trucs. Bref, faire de la prévention de ce côté-là et éviter de balancer systématiquement des antibiotiques parce que, bon, l'antibiorésistance, tout le monde en a entendu parler. Donc ça, oui, ça, pour y avoir bossé un petit peu dessus, je sais que ça existe. Je sais qu'à Strasbourg, ça bosse un petit peu sur la régénération pulpaire. Alors attention, quand on dit régénération pulpaire, c'est pas du genre, il y a eu une carie, on a tout remis... On met une cellule souche de gens, ça vous recolonise tout. Hein. C'est essayer de trouver des matériaux qui permettent que la pulpe reste vivante. Voilà. Ça, je sais que ça existe. Après, tout ce qui est recherche, là, c'est vraiment bio, on va dire ça comme ça. Après, ce qui est beaucoup plus développé, c'est tout ce qui est biomatériaux, parce que ça, c'est directement commerciable. Ah bah ouais. Donc, très ce qui est à la mode, là, c'est du genre les implants, donc c'est la racine artificielle qu'on peut mettre justement pour compenser la perte d'une dent. c'est fait en titane, c'est très bien, bonne biocompatibilité, même si on peut avoir des rejets, ça reste une greffe, entre guillemets, dans l'absolu. Ce qui est très à la mode maintenant, c'est « ouais, non, mais là, c'est du métal, les gens, ils aiment pas le métal, c'est pas bio, c'est pas feng shui, c'est pas machin. » Donc là, ils ont développé les trucs en zircone, c'est une sorte de céramique, pas une vitro-céramique, c'est une céramique dense. Le recul, il n'y en a pas. Et là, pour l'instant... Alors si ça se trouve, avec un recul de 20, 30, 50 ans, ça va être, on va dire, mais c'était génial ce truc. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que c'est du placebo. Je me trompe peut-être totalement, mais on n'a pas de recul là-dessus. Donc c'est à partir du moment où on peut commercialiser le truc que là, il y a de la recherche. Et après, il y a des recherches sur tout ce qui est matériaux, justement, de restauration. Du genre le fameux plombage, qui est en fait un amalgame qui ne contient pas de plomb. Mais bon, voilà, c'est pour la teinte, voilà, là, qui a quasiment disparu. Il y a tout ce qui est composite, le fameux truc qui a maintenant cette fameuse couleur des dents. En gros, c'est le plombage, ça n'a pas du tout la même texture, hein. C'est le plombage joli. Voilà. Les patients ils me disent « non, mais vous ne faites plus le truc gris, hein, faites le truc blanc ». Voilà, bah, le truc blanc, c'est le composite. Après, on a tout ce qui est biocéramique, justement, pour éviter d'avoir à dévitaliser des dents. On a ce qu'on appelle des ciments varionomères pour tout ce qui est reminéralisation de l'émail. Là, ça y va. Parce que ça, c'est vraiment le cœur de métier, c'est du clinique pur et dur. Là, ça y va en recherche, mais ça, c'est du côté industriel. Et comme dit, recherche fondamentale. La chimie des matériaux, quoi. Biomatériaux, ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a. Après, en biologie, je pouvais juste te donner ces exemples-là, et encore, c'est parce que j'étais dans un des deux. Donc là, pour tout ce qui est recherche fondamentale, là, je passe la main. Du coup, Alexa, toi qui travailles sur les dents des chauves-souris, peut-être tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je vais essayer d'être concise. Ça fait un moment qu'on parle. Effectivement, les dents, en fait, c'est un domaine en biologie qui est extrêmement actif. C'est même un des domaines parmi les plus actifs en biologie du développement. Et une des raisons, c'est que les dents, c'est très facile à étudier. Les dents, on peut, sur un embryon de souris, par exemple, les découper, les mettre dans une boîte au stade où elles sont juste un petit bourgeon, et elles vont se développer jusqu'à une dent minéralisée. Donc en fait, on peut faire grandir dans une boîte une petite dent, on peut balancer différents régulateurs moléculaires dessus, etc., et pouvoir changer sa forme, changer la durée qu'elle se met pour se développer, et ce genre de choses. Ce qui fait que, parce qu'on peut la manipuler facilement, c'est un champ de recherche très intéressant. Et donc en biologie animale, on travaille là-dessus, sur des questions aussi diverses que comment les formes évoluent. Quand on veut reconstituer une dent de zéro, tu parlais des implants tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de pouvoir reconstituer les dents à partir de cellules souches, par exemple, parce que ce serait mieux d'avoir une dent en réel. Alexa, il y a ton son qui coupe complètement. Enfin, je vois Eléa qui fait la même tête que moi, donc j'imagine que c'est pas que chez moi. Bon. Zut. Alors, tu parlais des implants, c'est bon. Alors, moi, de mon côté, par contre, effectivement, on n'entendait pas grand-chose, mais moi, j'ai totalement compris, parce que oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est effectivement le but ultime, mais bon, on n'y est pas encore. C'est pour un peu n'importe quelle biologie du développement, c'est pouvoir recréer synthétiquement des organes et pouvoir les transplanter. C'est valable pour des cœurs, des fois, des trucs vraiment compliqués, mais effectivement, pour les dents, ça, ce serait le rêve ultime. Là, on se passerait des implants... Mais on n'y est pas encore, hein. Tu me détrompes si c'est le cas, mais... Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Ok. Oui. J'ai désactivé la vidéo, je pense que ça aide. Donc effectivement, on n'y est pas encore. Maintenant, j'étais à un congrès de dents il y a 3 semaines, et les gens commencent à travailler sur des cellules souches IPS, donc des cellules qu'on reconstitue, voilà. Et ils commencent quand même à réussir à faire des choses. Donc on n'y est pas encore, notamment on ne sait pas encore faire par exemple une prémolaire, une molaire, une canine, etc. Mais peut-être qu'on va y venir. Je pense que si on doit réussir à avoir je pense que le premier organe qu'on réussira à refaire, ce sera sans doute une dent. Bon, je suis peut-être un peu biaisée, mais de ce que je vois dans les congrès, en tout cas, je pense que c'est un des organes les plus faciles à cultiver, et à part peut-être la peau, non, la peau peut-être aussi. Mais ça fait partie des choses qui ne sont pas de la science-fiction, à mon avis. Ah ben, c'est très cool, moi qui aime bien la chirurgie, les autotransplantations de dents de sagesse, c'est pas forcément tip-top, ça c'est un truc qu'on peut faire effectivement, mais moi ça m'intéresse parce que de la transplantation de... Ah, ce serait génial ça, Ah, ce serait trop bien, ça. Donc, la recherche a des choses à faire aussi sur les dents. Ah, bah oui, bah, carrément. C'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis un ancien chercheur. Attends, en plus, donc, je vais certainement pas contredire. Non, ce serait trop top, ça. Ce serait génial. Ouais, non, donc c'est quelque chose qui est vraiment utile. Oui, pardon, Léa, tu voulais dire un truc ? Non, non, vas-y, je voulais te donner la parole. Et après, donc brièvement, il y a aussi énormément de choses qui sont faites au niveau de l'évolution. Donc tout à l'heure, on a un petit peu parlé des prémolaires et des différents types de dents. Et en fait, les dents sont hyper variables. Je mettrai peut-être quelques photos dans la chatroom tout à l'heure. On a une variabilité au sein des vertébrés qui est immense de formes, d'endroits où les dents sont aussi. Par exemple, certains poissons, les zébrafiches par exemple, ont des dents pharyngiennes, et on en a plein qui ont des dents dans le pharynx, qui ont la même utilité. Donc on en a vraiment partout. On a aussi des modes de régénération qui sont très différents, étant donné que nous, on régénère que les prémolaires, mais chez les poissons, par exemple, les requins ont énormément de dents, plein de rangées dentaires différentes qui régénèrent. Les reptiles aussi, donc chez les serpents, etc., on a une génération en continu des dents. En fait, elles tombent, elles sont remplacées. On pense que c'est d'ailleurs finalement ce qui se passait au niveau ancestral, et tout ça, essayer de comprendre pourquoi ces signaux ont disparu, comment les dents se régénèrent, etc. Ça a un intérêt évolutif évidemment majeur, mais aussi pour ce qui est de régénérer les dents, parce que si on comprend ce qui se passe par exemple chez un serpent qui régénère ses dents, peut-être que si les signaux sont les mêmes, et a priori ils les sont, ils sont les mêmes, on pourra aussi régénérer les dents chez l'homme de la même façon. Bon, ça nous permet aussi d'avoir des sous quand on demande des financements sur l'évolution, parce que bon, l'évolution, ça ne paye pas des masses, faut dire ce qui est. Mais voilà, c'est tout un tas de thématiques en fait, qui sont sur l'évolution, mais qui vont aussi bien au-delà. Donc voilà. Et après, dans la chatroom, vous pouvez dire si ça vous intéresse qu'un jour on fasse un épisode là-dessus, parce qu'effectivement, sur l'évolution des formes, des dents, etc., il y aurait beaucoup à dire. Claire, tu avais encore des questions aussi ? Moi, j'ai lu pas mal de trucs sur l'odontologie médico-légale. Je me suis entraînée à le prononcer aussi, c'était pas facile, pour un exposé que je devais faire sur la criminalistique. Et je me demandais si tu pouvais en parler un petit peu, ou pas du tout. Alors, je vais juste pouvoir peut-être sortir les poncifs que tu connais déjà, simplement parce que c'est quelque chose que je ne pratique pas. En pratique, par exemple, juste pour la dent en elle-même, ce qu'elle peut nous apporter comme info. Pour l'identification, par exemple, je ne trahis aucun secret en le disant, à moins qu'il y ait un sniper qui traîne, là. Mais par exemple, assez régulièrement, alors c'est pas tous les mois, mais il y a le conseil de l'ordre des dentistes, des chirurgiens dentistes, qui peut être saisi par des juges d'instruction, des enquêteurs, tout ça. Et on reçoit en tant que dentiste un mail en disant « Voilà, suite à la découverte d'un corps, nous cherchons dans telle et telle zone, si on est dans cette zone-là, est-ce que vous auriez soigné monsieur ou madame ?» Voilà, est-ce que vous avez un dossier là-dessus pour pouvoir procéder à l'identification ? Donc ça, ils peuvent venir nous voir en tant que libéral ou à l'hôpital. Après, forcément, la dent, de par le fait qu'elle soit excessivement minéralisée, après ça dépend où on la trouve et dans quelles conditions. Mais forcément... ça protège super bien l'ADN qu'il peut y avoir dans la pulpe, s'il y en a encore. Donc, des identifications ADN, tu peux en faire à partir d'une dent. La technique, je ne l'ai pas. Hein, on est d'accord. Ce sont des choses que j'ai lues, qu'on a eues dans des cours, dans notre formation. Ça paraît magique comme ça. La technique d'extraction, d'analyse, tout ça, je ne l'ai pas. Donc, ça, je n'ai pas l'info. Après, par contre, tu as effectivement, chaque individu a sa denture propre, avec son historique et tout. Donc oui, on peut réussir à identifier des gens de par leur mâchoire. Maintenant, moi j'avais lu que même une seule dent pouvait suffire à l'identification d'un individu. C'est vrai ça, ou il en faut quand même un peu plus qu'une? Et là, je te dirais que je suis incapable de te répondre. Ça me paraît fou. C'est pour ça que je pose la question. J'avais trouvé ça fou. Oui, parce que... Alors, si ça se trouve, là, il y a un médecin légiste qui va traîner. Il est peut-être en 5 hommes par terre avec ce que je suis en train de dire, en disant qu'il se documente un petit peu, cet idiot, avant de parler. Mais ça me paraît effectivement fou. Tout est possible. Je me dis que ça pourrait quand même être jouable. Là où ça peut être très, très chaud, c'est que quand même, par exemple, si on reste dans les gros clichés, on pourrait potentiellement, par exemple, je retombe sur les canines, parce qu'effectivement, c'est ça, identifier le sexe à partir des canines. Parce qu'effectivement, entre un homme et une femme, la canine peut être potentiellement plus réduite. C'est pour ça que je dis qu'on reste dans le cliché. Mais il y a des hommes qui ont des dents qui sont plus petites que des dents de femmes. Après, tu as l'origine ethnique qui change. Hein. Ah, l'origine ethnique, c'est flagrant. Hein. Alors ça va faire rire tout le monde ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement pour en avoir vu plein. Tout ce qui est origine africaine et tout, ce sont des dents magnifiques. Ce sont des dents magnifiques, c'est-à-dire tu as des racines surpuissantes, ultra résistantes, elles sont sublimes. Voilà. Donc, si tu n'as que la dent, tu peux dire, ah bon, si ça se trouve, je dis n'importe quoi, ouais, c'est un homme caucasien, voilà, une canine d'homme caucasien, voilà, d'un âge. Tu peux voir justement, en termes de sclérose, c'est-à-dire oblitération, obturation des canaux radiculaires, tu peux éventuellement déterminer l'âge. Puisque, comme dit, plus tu as d'apposition de dentine, a priori, plus le patient est âgé. Mais ça dépend des traumatismes aussi qu'a subi la dent pendant la vie de l'individu, et ça, tu ne peux pas le savoir. Donc, il y a plein de trucs. Si tu as un tableau avec, si tout le monde était identique, ouais, là, tu peux recouper les informations. Sauf qu'une dent, ça a une vie, et c'est variable d'un individu à l'autre, justement. Donc, à partir d'une dent, ça me paraît ultra chaud. Mais peut-être que quand je parlais de clichés, c'est parce que ça, je sais qu'il y en a, tu as des tableaux de... Alors là, tu as plein de noms hein, de mecs qui ont bossé, ou de nanas hein, certainement, hein, qui ont bossé là-dessus. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, en superposant leurs tableaux d'identification, à dire on part plutôt dans cette direction, dans celle-là. Donc peut-être que c'est finalement jouable, avec tout le recul qu'on a maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Possible, mais je n'ai pas l'info. Ok. Et je ferai probablement un dossier un jour avec une autre de mes connaissances qui, elle, fait de la paléo-odontologie. Donc, elle fait de l'histoire sur les squelettes des dents. Donc, on reparlera peut-être un peu de ça dans un futur dossier. Donc juste avant d'arriver à la fin de l'émission, il restait deux questions qu'on a zappées dans la chatroom, mais Denis demandait est-ce qu'il y a des bactéries qui travaillent pour le bien dentaire, donc qui sont bénéfiques pour les dents? Ouais, c'est toutes les dents. Ah, ça c'est la fatigue ça. C'est toutes les bactéries qui vont contrer celles qui sont potentiellement cariogènes. C'est tout aussi bête que ça. C'est-à-dire que tu as une quantité de bactéries qui sont considérées comme cariogènes. Donc, c'est ce que j'avais dit là. Si on peut sortir des noms de saloperies, tu as Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter. Enfin, il y en a certaines qui sont considérées comme étant bactériogènes, pathogènes et capables de faire véritablement des infections et de s'organiser pour ça d'une certaine manière. Et ben, les bactéries bénéfiques, c'est toutes celles qui vont entrer en compétition pour coloniser le substrat, c'est-à-dire ta bouche, au lieu de ces bactéries-là. C'est tout. Comme dit, tu as les deux armées. C'est très manichéen, hein, comme dit, les bactéries ne réfléchissent pas comme ça. Mais oui, si tu n'avais pas ces bactéries-là pour concurrencer d'une certaine manière les bactéries pathogènes, notre bouche serait rongée en permanence. C'est tout aussi bête que ça. Et il y avait une autre question, quelqu'un qui demande pour la régénération osseuse pré-implant, comment ça fonctionne? Et là, il vient une semaine trop tôt, puisque je commence ma formation la semaine prochaine. Mais alors la régénération pré-implant. Alors, tu as plusieurs techniques. Donc, je n'ai pas expérimenté. Hein, voilà. Donc, la théorie, en gros, je l'ai. Et je pense qu'il y en a énormément. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est, à quoi ça sert un implant? Non, mais la régénération pour le pré-implant. Tout bêtement, si tu mets un implant, c'est qu'il te manque une dent. Si te manque une dent, c'est que tu as, potentiellement, ça dépend quand est-ce que tu le fais, la fameuse perte osseuse dont je parlais. C'est-à-dire, l'os, il se dit, je ne sers à rien, je m'en vais. Alors, le problème, c'est qu'il te faut quand même une certaine masse osseuse pour pouvoir mettre ton implant. Donc, comment rajouter cet os? Tu as ce qu'on appelle un élargissement de crête, c'est-à-dire... La vache. Attends. Attends. Très simplement. À l'endroit où tu as ton creux, bien évidemment, tu fais un lambeau... Enfin, tu dégages ta gencive, hein, donc tu fais une incision, tu la pousses parce qu'il faut que tu arrives à l'os. Tu vas ouvrir l'os, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas un millefeuille, hein, mais voilà, tu l'écartes un petit peu. Et il existe justement des biomatériaux. Voilà, ça, par contre, ça c'est très très développé, ce qu'on appelle ça c'est le nom, hein, c'est du bio-os. Alors, on peut pas trouver plus débile comme nom, hein, mais ça porte son nom. C'est en fait c'est une sorte de pâte granuleuse qui mime l'os en fait. Et tu vas mettre ça dans le trou. Ouais, vraiment, hein, très succinctement. Pour éviter que tu aies un envahissement gingival, tu peux mettre une membrane, soit qui peut disparaître d'elle-même, ou pas, ou tu n'en mets pas selon le type de gencive. Bref, voilà. Mais en gros, le principe, c'est ça. C'est-à-dire que tout simplement, tu vas venir avec de l'os en poudre artificielle, c'est vraiment pas glamour ce que je sors, hein, mais de l'os en poudre artificielle, et tu vas combler le trou avec ça. Et tu attends quelques mois, entre 4 et 6, pour que ça puisse se compacter et surtout se vasculariser. Parce qu'un truc très important, c'est qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que l'os, c'est juste là aussi un morceau de caillou, hein, c'est minéralisé. Non, non, c'est très, très vascularisé, moins la mandibule, et c'est très embêtant pour tout ce qui est chir, et voilà, ça c'est un autre problème. Mais il faut que ça saigne, en fait, ton os, pour pouvoir que ton bio-os se mélange au sang et que tu aies une revascularisation de cet os artificiel. Voilà, c'est ça en fait, très succinctement, ta régénération pré-implant. C'est-à-dire, en gros, tu recrées de l'os pour pouvoir reposer ton implant dessus. Il y a HK dans la chatroom qui fait remarquer qu'il y a des pertes osseuses qui sont liées à des médicaments et du coup, les dents en tiennent déjà juste avec la gencive. Ouais, alors oui. Est-ce que par hasard, ça... vis-à-vis de l'ostéoporose, quelque chose comme ça? Non, je sais pas. Ouais. Bon, bref. Oui, alors... Dans l'absolu, une dent, alors ça aussi, hein, on généralise énormément, hein, ça dépend de plein de facteurs, mastication, alimentation, bref, plein de trucs. Mais une dent peut tenir avec juste 1 mm d'os. C'est-à-dire ça tient sur rien. T'as l'impression que ça tient en l'air. Non, 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 t'as encore un tout petit peu de ligament. C'est quand même du collagène, c'est quand même costaud, hein, c'est pas de type 1 en l'occurrence, mais c'est quand même relativement costaud, et avec 1 mm, effectivement. Donc ça peut tenir, mais ce n'est... Comment dire? Quand on a l'impression que c'est la gencive, elle, c'est une mauvaise herbe en termes de prolifération. C'est-à-dire que la gencive, si tu lui laisses de l'espace, c'est pas une bactérie, mais presque. C'est-à-dire, elle va dire, oh, bah tiens, je peux aller là. Et elle va t'envahir le truc. Donc tu as l'impression que ça tient dans la gencive. Certes, la gencive, elle va un petit peu se coller, mais c'est pas elle qui va faire tenir le truc. C'est le restant de ligament dans ton restant d'os, d'une certaine manière. Ok. Mais c'est vrai que ça peut tenir sur rien. Il y a des trucs, très honnêtement, moi j'en découvre tous les jours. Il y a des dents, c'est miraculeux. Vraiment, c'est des choses qui ne devraient pas tenir et elles tiennent. La bouche est un miracle. En tout cas, quand on t'entend parler des dents, on a presque l'impression que, que c'est formidable et que c'est le truc le plus incroyable du monde, les dents. Alors, juste pour finir ce dossier, est-ce que en tant que dentiste, tu as des recommandations globales sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire avec nos dents? Alors, très, très, très succinctement, le truc, c'est la dureté de la brosse à dents. Parce que ça, tu parlais des idées reçues justement en tant que dentiste, mais ça c'est un truc classique, c'est oui, je prends quoi? Est-ce que je prends une brosse à dents souple, une médium ou une dure? La souple, rien d'autre que ça. Dans l'esprit, et c'est d'une logique implacable. Moi, avant que je commence, hein, je pensais pareil. Hein. Médium, ouais, c'est bien, ça nettoie mieux que la souple. Oh, la dure, ça doit être génial. La dure, elle t'enlève toute la plaque, limite, super, elle te récure les oreilles avec, c'est génial, ça doit être super top, elle est dure, elle doit mieux marcher. Connerie absolue. Connerie absolue, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va complètement vous péter les gencives. Parce que comme elle est dure comme du béton, elle va en fait irriter chroniquement la gencive, le fameux sulcus dont je vous parlais. Et une irritation chronique répétée 2 à 3 fois par jour, comme dit, la gencive, elle aime bien envahir, elle aime bien s'organiser, mais là, elle va se dire, bon, ben, on veut pas de moi, en fait. C'est comme un enfant, il rentre, bonjour, comment ça va? Pouf, tu lui colles une gifle, il a rien demandé, il était super sympa, il va pas revenir te revoir. Ben, là, c'est pareil, la gencive, elle va se dire, mais j'ai rien fait, moi, je fais mon boulot, là. Moi, je me casse, et elle va se casser, elle va partir, et c'est les fameuses récessions, c'est-à-dire, on va commencer à dénuder la racine, Et c'est là que, comme par hasard, la dentine est à nu, les sensibilités, tout ça. Voilà. L'autre question qu'on peut se poser, totalement légitime, c'est si c'est de la merde, les médiums et les durs, pourquoi on les commercialise? Parce que ça se vend. C'est juste ça. C'est parce qu'il y a une demande. C'est parce que les gens, ils sont là, ah ouais, moi la dure, j'adore. En plus, pour récurer mes shots avec, c'est superbe. Voilà, c'est tout. Ça se vend. Donc les gens, ils continuent de le commercialiser. Mais c'est une connerie. Les poils sont exactement les mêmes, sauf que leur dureté est augmentée. Un brossage efficace n'est pas un brossage énergique. Un brossage trop énergique va avoir l'effet inverse. Alors par contre, vous allez enlever le biofilm, c'est super, mais vous allez arracher tout le reste. Vous allez arracher la gencive et vous allez même, c'est possible, même commencer à entamer votre émail. Et ouais. Parce que ça a beau être super résistant, si derrière, on passe notre vie à l'élimer, on va gratter micron par micron hein, sur 50 ans. Hein, on va commencer à l'avoir, l'émail. Rien n'est invulnérable. Donc ouais, donc brosse à dents souple. L'autre question, c'est est-ce que je prends une brosse à dents électrique ou est-ce que je reste la manuelle? Un mauvais brossage électrique, eh ben, c'est tout simplement plus merdique qu'un bon brossage manuel. Prenez ceux avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Généralement, ceux avec quoi vous avez commencé étant jeune. Parce que là, je ne peux pas faire la démo. Là, il faudrait limite une vidéo, il faudrait quelqu'un et tout ça. Voilà. Parce que le brossage électrique et manuel, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le sens où vous gérez tout de A à Z avec la mécanique, c'est-à-dire la manuelle. Avec l'électrique, c'est elle qui fait les 9/10 du boulot. Alors attention, hein. Là, on est en train de se dire, tiens, c'est un brossage de feignant, c'est cool, je fais juste ça, on est tranquille. Non, ça ne fait pas tout et il faut laisser, faut placer la brosse à dents électrique de telle façon à ce qu'elle fasse correctement son job. Et surtout, il faut rester passif. Dans le sens où, si on commence à brosser comme une brosse à dents mécanique, la tête de la brosse à dents électrique ne va pas comprendre en fait. Enfin, c'est pas qu'elle va pas comprendre, elle va continuer à faire son geste, mais qui sera complètement anarchique et en gros, elle fera pas son job. Donc, ce sera pire que, limite pire que de ne rien faire. Donc, prenez ce qui vous arrange le plus. Éventuellement, ça c'est l'instant promo, là. C'est l'instant promo, mais tu sais, pourquoi avoir un dentiste? Bah, par exemple, pour ça. Tu fais un contrôle, tu te demandes, bah voilà, moi j'aimerais bien passer à l'électrique, comment est-ce qu'on fait? Bah, oui, bah, on vous explique. On vous explique, c'est tout aussi bête que ça, mais il faut le savoir. Ça prend 2 minutes, mais c'est comme tout, si on ne te l'apprend pas, c'est pas inné, t'es pas censé le savoir en sortant comme ça. Allez hop là, j'ai un jour, je suis à la maternité, ah bah oui, je sais très bien me brosser les dents quand j'en aurai. Non, ça s'apprend. Donc, et pour finir, le régime alimentaire. Ça aussi, c'est un grand classique, c'est qu'est-ce que je peux manger qui est bien pour mes dents? C'est une balance. Il y aura des aspects positifs et des aspects négatifs dans n'importe quel aliment. C'est-à-dire que le coup classique, c'est manger des pommes. On parlait pauvre Chirac, hein, voilà. Ah là, manger des pommes. Non, mais ça m'a fait penser, c'est la fatigue aussi, j'ai des flashs, là, je regarde ce genre de trucs. Voilà, par exemple, la pomme, c'est super, ça va avoir un effet abrasif, ça va pouvoir te nettoyer les dents, certes. Sauf que ça t'apporte du sucre. Ah, super. Si tu as un biofilm qui est bien actif, eh ben, il va te ronger ta dent. Voilà. Un truc qui est génial pour rétablir ton pH à la fin de ton repas, c'est le fromage. Sauf que les fromages, il y en a certains qui te collent. Mais t'es parfait, voilà. En fait. Il y a eu un message de l'univers sur Podcast Science en 10 saisons. Après le repas, manger du fromage. Ah, oui, alors, mais il vient de dire que ça colle aux dents. Ça colle aux dents. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pareil, c'est une question d'équilibre. Les pires choses en termes d'aliments, c'est tout ce qui est acide de façon répétée. Parce que, en fait, par exemple, du citron. Vous pouvez manger du citron, hein, c'est pas le problème. Mais boire des litres de citron par jour ou des choses comme du coca, du soda, ça c'est des choses qui sont acides. C'est comme si vous déversiez, instant poésie, des litres et des litres de caca de bactéries cariogènes. Vous allez ronger votre émail et votre dentine, tout simplement. Et pour éviter ce genre de truc, en fait, il faut attendre avant de... Parce qu'il y en a qui vont prendre ça, qui vont tout de suite se brosser les dents. Ça pourrait être un bon réflexe, sauf que le problème, c'est que là, le pH n'est pas rééquilibré et que la salive n'a pas fait son job. Donc, attendez une demi-heure que ça se soit stabilisé. Par exemple, après avoir bu du coca, voilà, vous attendez une demi-heure. Le pH s'est restabilisé, ça s'est un peu reminéralisé. Et là, vous pouvez vous brosser les dents parce que le problème, c'est que si vous vous brossez les dents instantanément après, eh ben, vous aurez un effet inverse. Comme ça aura un peu dissous votre dent, d'une certaine manière, vous allez la poncer et vous allez enlever un petit peu de votre dent. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner comme ça à l'oral. C'est une question de mesure. Alimentation équilibrée, une bonne hygiène bucco-dentaire et ça passe. Il n'y a pas pas se prendre la tête. Voilà, je pense que ce dossier ne peut pas être plus parfait vu qu'on finit sur du caca de bactéries et des... et le... Bref. Tout ce qu'il faut pour plaire à Claire. Du coup, Claire, je te laisse enchaîner parce qu'il n'y a que toi qui peux enchaîner après ça. Oui, et puis on va rester dans les choses glamour et tout ça, puisqu'on va faire le pitch de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Podcast Science continue sa saison 10 avec un dossier de notre merveilleux topo. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment souffle, expire, inspire et allaitent nos braves petites bestioles à six pattes? Sont-elles munies de minuscules poumons? Où se cachent leurs narines? Peuvent-elles respirer sous l'eau? Toutes les réponses à ces intrigantes questions trouveront réponse dans le deuxième dossier de topo dédié aux insectes et dont le titre sera « Tracher n'est pas joué ». Oh, il y aura du niveau. Il a fait fort hein, sur ce coup-là. Je te relaisse la parole pour la citation. Ouais, Christian, tu as ramené une citation. Donc je te laisse conclure ce dossier. La super citation que tu m'as demandé il y a 48 heures et que j'ai trouvée. En fait, elle m'a juste fait rigoler vis-à-vis de mon boulot. Alors, je ne peux pas dire de qui c'est. Hein. Merci Google. C'est un proverbe géorgien de 1956. Je ne sais pas comment ils ont daté ce truc-là. Mais ce que j'aime bien, c'est « Tous ceux qui montrent leurs dents ne mordent pas ». Voilà, c'est très bien pour mon métier parce que si c'était le cas, ça ferait longtemps que je n'aurais plus de main. Allez, voilà. Je te laisse faire le quiz. Eh bien, oui. Donc, on vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que pas chaque mois, un peu plus de chaque mois, on vous pose une question à laquelle vous pouvez nous répondre. La question du moment, elle est cruciale, c'est mettre l'huile dans l'eau des pâtes, est-ce que ça les empêche de coller? Est-ce une info ou une intox? Vous pouvez nous envoyer votre avis sur podcastscience@gmail.com ou sur les réseaux sociaux pour nous aider à y répondre dans la prochaine émission Roue Libre. Voilà. Moi, je propose que le prochain quiz, c'est les brosses à dents électriques, c'est mieux que les brosses à dents manuelles. Comme ça, on vérifiera si les gens ont bien écouté. Et d'ailleurs, est-ce que notre invité de ce soir, il a un avis sur le quiz sur les pâtes? Sur les quoi? Sur un quiz sur les pâtes? Est-ce que l'huile dans l'eau des pâtes, ça les empêche de coller? Ton avis sur la question? Je crois que j'avais expérimenté une fois, mais je crois qu'un petit peu, mais après ça donne un petit goût huileux que j'ai pas trop aimé, même avec une goutte. D'accord. Ouais, je sais. Non. Moi, je mets pas d'huile dedans. Je serais dans tout ce qui est gras et tout, j'essaie d'éviter. Je suis pas fan. Donc, très bien. Non, sur les touilles bien, normalement, elles accrochent pas, hein, les pâtes. Donc voilà, faut juste rester à côté, quoi. C'est ce que nous verrons dans une prochaine émission de la saison 10 de Podcast Science. Sur les pâtes. Ça n'avait rien à voir avec les insectes, on est d'accord. Hein. Ah non. Non, rien à voir. Enfin, les pâtes aux insectes, ça se fait aussi, mais bon, c'est encore autre chose. Ouais, non, mais... Avec ou sans huile? Juste avec 6 pattes. Oui, on va conclure. Où elle est bonne. C'est fini pour notre émission de ce soir. Il est l'heure d'aller se brosser les dents avec brosse à dents électrique ou manuelle. C'est vous qui choisissez et demandez conseil à votre dentiste. Un immense merci à notre invité. Merci d'être venu, Christian. C'était hyper intéressant. Bah, de rien, c'était un plaisir. Perso, j'envisage plus mon rendez-vous chez le dentiste qui va venir par une heureuse coïncidence dans quelques jours de la même façon. Et ce soir, pour rester dans le thème, je me permets de changer un tout petit peu notre routine de conclusion. Donc, comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, que d'ici là, servir la science soit votre joie. Mais rajoutons que d'ici là et tout le temps, croquez aussi la science et la vie à pleines dents.